mucho que conversar y que hablar respecto de estos nuevos sistemas de agricultura. Donc il y a beaucoup à parler sur ces nouvelles manières de produire, de faire de l'agriculture. Yo quisiera decirles a ustedes que yo hago agricultura durable. Mais ce que je veux d'abord commencer à vous dire, c'est que ce que je fais, c'est de l'agriculture durable. No hago esto. Je ne fais pas ce que vous voyez là. This is England. Ça, c'est une photo prise en Angleterre. 9 ans, il y a 9 ans. Esto es France. Et ça, c'est en France. Pero sé que esto sucede poco. Mais ça, je sais que ça n'arrive pas beaucoup en France. Il y a déjà ici un mouvement fort pour l'agriculture durable. Là, c'est de nouveau une photo en Angleterre. Ici, vous avez les oiseaux qui sont en train de dévorer la faune du sol. Je ne fais pas une agriculture de conservation. Labranza de conservación, ou un labour ou une conduite culturelle de conservation, o mínima labranza, ou même une culture simplifiée. Eso es bueno para nada. Ça n'amène à rien. No debemos mover el suelo. On ne doit pas bouger le sol. Invertir el suelo. Activer le sol. Para no destruir su estructura. Et surtout ne veiller à ne pas détruire sa structure. No destruir el hábitat y el ecosistema de muchos individuos que viven en el suelo. Ne pas détruire l'habitat et l'écosystème qui est installé dans le sol. De manera que evitamos esto. De manière à ce que nous n'ayons pas ce qu'il y a sur la photo. He estado más de 6 veces en España. J'ai été 6 fois en Espagne. Y mis amigos espagnols no entienden bien el mensaje. Mes amis espagnols, qui pourtant parlent espagnol, ne comprennent pas bien le message. Estamos llegando a un momento en que el planeta no soporta más este sistema de manejo de suelo. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où nous ne pouvons pas continuer à travailler de cette manière. Por favor, ustedes vean. Donc vous voyez sur la photo la quantité de pierres que l'on voit sur le sol. On ne peut pas travailler comme ça. À chaque fois que vous travaillez le sol, vous faites remonter les pierres en surface. Donc, donc ce que l'on essaye de faire, c'est de faire pénétrer chez les agriculteurs français une nouvelle manière de concevoir l'utilisation de votre sol. Mais cette manière est plus ancienne que la nature elle-même. Parce que finalement, l'inspiration de base de notre système d'agriculture durable proviene de la observación a la naturaleza. C'est d'abord l'observation même de la nature et de son fonctionnement. El rastrojo que deja la naturaleza son las hojas. Donc les résidus que laisse la nature, ce sont les feuilles, las ramas, les branches, los troncos, les troncs, los tallos, les tales. Entonces nosotros tratamos de imitar al máximo. Donc ce que nous essayons, c'est d'éviter au maximum. Lo que la naturaleza ha hecho durante millones de años. C'est justement ce que la nature a fait pendant des millions d'années. Y esto es lo que hemos heredado en Chile. Et voilà ce dont j'ai hérité au Chili. Chile fue un país exportador de trigo. Le Chili était un pays exportateur de blé. Exportamos trigo al territorio de California en el año 1850. En 1850, le Chili était un exportateur de blé vers la Californie. Para alimentar los buscadores de oro. Pour alimenter les chercheurs d'or de Californie. Exportamos el trigo. On a exporté le blé. Y también exportamos el suelo. Mais on a exporté aussi notre sol. El suelo se salió del suelo. Parce que ce sol y fue a dar al mar. Est parti également dans la mer. Entonces, esto es lo que ha quedado.
Et vous voyez là donc ce qu'il est resté aujourd'hui. Une grande quantité de ravines. Et ça c'est ce que j'ai reçu. C'est ce que j'ai essayé d'améliorer. Là, on a la même colline. Avec la salle de conférence qui a été construite sur la ferme. Et ça, c'est la même photo de la colline précédente. Et aujourd'hui, voilà, et après 5 ans, on est là avec une terre cultivée. J'ai donc pu remettre en culture un sol qui était mort. Ustedes no tienen estos desastres que tenemos en Latinoamérica. Donc ici, vous encore, vous n'avez pas ce genre de désastre que nous avons en Amérique du Sud. Allá tenemos lluvias muy intensas. Là-bas, il pleut de manière très intensive. Que necesariamente el suelo requiere un techo. Et donc le sol a besoin d'un toit. El cual es el bosque. Et ce toit, c'est la forêt. La pradera permanente. Les prairies permanentes. Et l'agriculture durable et permanente. Et il n'y a que comme ça qu'on peut travailler. Je comprends bien sûr que je suis dans un sol extrême. Parce que les conditions chez moi sont extrêmes. Donc, il pleut beaucoup l'hiver. Et pour ainsi dire, pas de pluie pendant l'été. En plus, avec des sols et des pentes fortes. Et donc, durant 30 ans, j'ai attendu de trouver un système d'agriculture durable. Antes de que llegara no tillage o la cero labranza o la agricultura durable. Avant l'arrivée de l'agriculture du semi-direct en agriculture durable. Teníamos ganadería en el campo. Nous avions de l'élevage sur la ferme. En base a ganado Hereford. Avec des vaches Hereford. Hoy día no existe esto. Aujourd'hui, il n'y a plus d'animaux qui pâturent à Chequen. La ganadería se movió bajo techo. Les animaux ont été parqués dans des étables. Y entró el trigo, el maíz, el raps. Et donc ce sont aujourd'hui des différentes cultures de blé, maïs, colza, avoine, avec lesquelles on obtient des productions importantes. On voit au fond là-bas une retenue d'eau et la salle de conférence qui a été construite sur l'exploitation. Donc ce que je veux vous dire, c'est que nous les producteurs qui pratiquons l'agriculture durable, nous n'avons besoin ni de la charrue, ni des outils à disque, ni du feu. Et par contre, ce que l'on fait, c'est que l'on sème sur les résidus. Donc, toutes ces techniques qui ne sont donc la culture simplifiée et l'agriculture de conservation. Je dois discuter beaucoup dans ce monde moderne avec les experts en agronomie. Parce que finalement, aucune de ces trois techniques ne permet de garantir la stabilité du sol. Donc finalement, nous sommes obligés. Nous sommes obligés par responsabilité face à la nature et aux hommes, de chercher la meilleure manière de produire. Parce que finalement, ces trois expressions ne sont bonnes ni pour la santé du sol, ni pour sa protection, et surtout pour la nutrition du sol. Je parle bien de nutrition du sol.
probablemente en esta universidad no se hable de nutrición del suelo. Peut-être que dans l'université où nous sommes ici, on ne parle pas d'alimentation du sol. Es probable. C'est probable. Nosotros hablamos lo que hacemos agricultura durable. Nous, on parle, quand on parle d'agriculture durable. De nutrición del suelo. Nous parlons de nutrition du sol. Porque entendemos que el suelo está vivo. Parce que nous avons compris que le sol vit. El suelo tiene un metabolismo. Qui a son propre métabolisme. Y fisiología activa. Sa physiologie active. Entonces, el suelo está vivo. Donc partons de ce principe que le sol vit. Y los edafólogos del mundo entero, et que les édaphologues du monde entier no quieren entender, ne veulent pas comprendre que el suelo es un ente vivo, ne veulent pas comprendre que le sol est un être vivant. Y que toda acción del hombre sobre el suelo, et donc que toute action de l'homme sur ce sol debe ser una acción de respeto, et devrait d'abord être une action de respect. Una acción inteligente, une action intelligente de l'homme hacia su madre natura, destinée à la mère nature. Y entender que el suelo tiene que comer. Et donc comprendre que le sol a besoin d'être alimenté. Todos los días. Tous les jours. Porque necesita carbono. Parce que le sol a besoin de carbone. ¿De dónde viene el carbono para alimentar al suelo? Et donc d'où viendrait ce carbone pour alimenter le sol? Viene del anhídrido carbónico, del aire. Donc il vient de l'air, de l'anhydride. A través del proceso fotosintético, qui avec grâce à la photosynthèse, se hace posible que transformemos el carbono que está en el aire y que nos molesta. Nous permet de capter le carbone dans l'air et qui nous gêne. Hace posible que tengamos este fenómeno maravilloso que es la síntesis del carbono. Et donc nous permet d'avoir une synthèse du carbone. Entonces, realmente, ser agricultor que respeta y ama su suelo. Donc, être agriculteur qui respecte son sol, qui aime son sol, no es fácil. Ce n'est pas si facile. Porque históricamente lo hemos despreciado al suelo. Parce que historiquement, nous l'avons négligé. Nunca entendimos que el suelo era un ente vivo. Nous n'avons toujours pas compris que le sol est un être vivant. Y ahora por primera vez. Et maintenant, pour la première fois, on commence à établir des relations plus humaines. Et ça durera pour longtemps. Toujours. Je ne fais pas d'agriculture de conservation. C'est le terme qui a été donné par la FAO. Et que je suis allé discuter avec eux à Rome. En essayant de leur faire comprendre que cette terminologie finalement confond toute l'humanité. Donc aujourd'hui ce n'est pas admissible cette terminologie d'agriculture de conservation. Tenemos que cambiar el dogma. Il faut donc changer le dogme. Tenemos que cambiar el paradigma. Il faut changer le paradigme. Tenemos que cambiar los conceptos que existen. Il faut qu'on réussisse à changer ce concept. Y que el ser humano tiene que respetar. Et que l'homme doit commencer à respecter. Para llegar a entender mejor lo que es el suelo y lo que significa para la sociedad humana. Donc pour commencer à comprendre comment fonctionne le sol pour le bien de l'ensemble de l'humanité. ¿Por qué millones de microorganismos en el suelo? Pourquoi des millions de micro-organismes dans le sol? Y una gran cantidad de fauna de suelo. Et avec une faune très grande dans le sol. Tiene que depender del maldito capricho de un ser humano. Pourquoi tous ces êtres vivants doivent-ils dépendre des caprices d'un être humain? Que los revolcamos en la tierra. Qui les retourne dans le sol. Tierra que se seca. Une terre qui finalement sèche. Conductos internos del suelo hechos por lombrices. Tous les conduits qui ont été constitués par les lombriques dans le sol. Que se destruyen. Qui sont détruits. Y después decimos que el suelo está compacto. Et après on se plaint que notre sol est compact. Y tenemos que subsolarlo, et il faut labourer, sous-soler. Hacer un pequeño movimiento en la superficie del suelo ya significa un deterioro. Déjà faire le moindre mouvement de la surface constitue faire un dommage important pour le sol.
Et l'homme perd. Et finalement, c'est l'homme qui perd. L'homme perd beaucoup avec cette attitude peu consciente. Donc l'homme perd beaucoup avec une attitude aussi peu consciente. Parce qu'à ce moment, nous arrêtons d'alimenter l'humanité. Et aujourd'hui, pourquoi mangeons-nous tous? Parce que nous nous appuyons sur les produits agrochimiques. Par quantité gigantesque de phosphore, d'azote. Et tout cela dans le seul but d'augmenter la production. Ceci ne devrait pas être ainsi. Un agriculteur argentin me disait un jour, je n'ai pas de phosphore dans mon sol. Non, non, ma réponse a été de lui dire qu'il avait en fait beaucoup de phosphore. Tu as 5 parties par million de phosphore Olsen. Mais ma question a été de lui demander s'il avait bien analysé le phosphore total dans son sol. Et pourquoi? Parce que ce dont j'ai besoin, moi, c'est simplement le phosphore soluble. Non, tu as beaucoup de phosphore dans ton sol, tu ne le sais pas. Et donc on s'est rencontrés quelques temps après. Et il lui a dit que finalement, effectivement, c'était 2500 parties par million qu'il avait dans son sol. Et non seulement 7. Donc ce que je vous dis, c'est soyez d'abord intelligent pour exploiter vos sols. Vous devez extraire le phosphore qui s'y trouve. Et donc le transformer en phosphore soluble. Este hombre que se llama Oscar Alvarado, un líder, líder, líder en Argentina. Ce monsieur Oscar Alvarado est un des leaders en Argentine. Ya superó las 15 partes por millón de fósforo. Il a maintenant plus de 15 parties pour million de phosphore disponibles. Y está rescatando entonces las enormes cantidades que históricamente se han puesto de fósforo. Et donc il récupère finalement tout l'argent, tout ce qu'il avait incorporé à son sol précédemment. Donc l'agriculture, ce n'est pas un caprice. L'agriculture est quelque chose de transcendant, de pur. Ce n'est pas un jouet. Il faut être studieux. Et essayer de chercher nous-mêmes finalement les réponses. Et ensuite nous rendre aux universités pour qu'ils nous aident. Et donc profiter de cela pour dire aux professeurs, aux agronomes, aux édaphologues, regardez ce qui se passe dans mon sol maintenant. J'améliore le phosphore. Et dans mon sol, la Tchéquienne, je n'applique plus de phosphore depuis 8 ans. Et, or, vous savez bien que le phosphore est l'élément le plus cher pour l'agriculteur. Aujourd'hui, nous avons 40 parties par million de phosphore Olsen. Et on a baissé juste un peu le phosphore total. De 3000 ppm à 2850 ppm. De 3000 à 2800 ppm. Et donc combien y a-t-il de phosphore dans les couches plus inférieures? Entonces, ahí está la capacidad intellectual cognitiva del productor. C'est là qu'intervient la créativité du producteur. Entender que el suelo está lleno de fertilizantes, pero no los podemos obtener porque están fijados. Donc comprendre que finalement tout est dans le sol, mais que nous ne pouvons l'obtenir parce qu'il est fixé. Uno de los aspectos
aspecto más importante que hay que cuidar en la agricultura durable donc, es el manejo del rastrojo. Donc l'un des éléments essentiels donc de cette agriculture durable, c'est la conduite du résidu sur le sol. Con 700 milímetros de lluvia en casi 4 meses del invierno nuestro. Donc en 4 mois nous avons 700 mm de pluviométrie au Chili. En suelo con 30% de pendiente. Un sol avec une pente de 30%. No tengo erosión. Il n'y a pas d'érosion chez moi. No pierdo coloides minerales. Je ne perds pas de colloïdes minéraux de mon sol. Estoy perdiendo arcilla coloidal. Je ne perds pas non plus d'argile colloïdo. Que nunca más voy a poder rescatar. Que je ne pourrai jamais récupérer. Yo no puedo hacer eso. Ça, on ne peut pas faire ça. Nadie puede hacer eso. Los ríos corren oscuros su color. Café. Les eaux emportent sa couleur café. Porque, porque llevan suspensión el material parental. Parce que le, finalement c'est le matériel parental qui est emporté en suspension. El regolito que es la base de lo que el agricultor está trabajando. Ceci est la base de ce que l'agriculteur réalise. Regolito, regolito. Es el material parental. Ah. Regolito, ese es el nombre. Entonces, traducción après. Tenemos que tener muy en claro nuestra responsabilidad como actor principal. Donc il faut déjà avoir bien clair que nous sommes les acteurs principaux. Porque nadie nos va a decir realmente lo que tenemos que hacer. Somos nosotros los que tenemos que buscar la propia huella. Parce que finalement personne ne va venir nous dire ce que nous devons faire sur notre exploitation, c'est à nous de savoir ce que nous devons y faire. Muchas veces miramos, ce qu'il faut c'est regarder, vemos, nous voyons, y casi nunca observamos. Mais par contre nous n'observons pas. L'agriculture está basada en la observación de los fenómenos naturales. L'agriculture, la base de l'agriculture est l'observation des phénomènes naturels. Esa es la única forma de entenderlo con la naturaleza. C'est le seul moyen de comprendre. La rotación de cultivos. Donc la rotation des cultures. Es mucho más importante en la agricultura durable que en la agricultura tradicional. Donc la rotation de culture est beaucoup plus importante en agriculture durable qu'en conventionnelle. Lupin. Du lupin. Trigo. Du blé. Esta sembradora, semeato. Donc ce semoir, semeato. El año 1984. En 1984. Hace 24 años atrás. 24 ans. Ya Brasil producía sembradoras de este tipo. Le Brésil déjà produisait des machines de ce type-là. Para agricultura durable. Pour l'agriculture durable. Y después de tantos años. Et après toutes ces années. Está esta máquina en perfecto estado de funcionamiento. Cette machine maintenant est en parfait état de fonctionnement. Y permite sembrar sobre un rastrojo de maíz muy denso. Là, on est en train de semer sur des résidus de maïs très denses. Y obtenemos unos excelentes trigos. Et on obtient là des cultures de blé de très bonne qualité. No hay suelo encima. No hay suelo, hay materia orgánica. Nous n'avons pas mis de sol par-dessus, juste de la matière organique. Y esta máquina siembra de maravilla. Et pourtant on sème très bien comme ça. Y esta máquina. Donc voici le modèle. TDNG. Ha hecho un trabajo espectacular acá en Francia. Esto es una foto francesa. Ceci est une photo prise en France. Aquí vemos el doble disco. Le double disque. Sembrador. Le semoir. Después vienen los reguladores de profundidad. Tout ce qui est régulation de profondeur. Des compacteurs. Lo que es muy importante. La descente verticale. Tiene neumáticos de alta flotación. Lo que es muy importante. Des pneus larges pour compacter le moins possible. El peso se traspasa hacia el tractor cuando yo levanto la máquina. Le poids se répartit sur le tracteur en levantant la machine. Entonces es una buena máquina y es un modelo simple. Esto quiere decir que la máquina ya no trae cajón para el fertilizante. Et cette machine qui est spécialisée semences n'a plus de caisse pour appliquer l'engrais. Entonces esto es bueno. Porque cuando ya el productor tiene más de 15 ppm de fósforo. Et donc ça, quand pour un agriculteur qui a déjà plus de 15 ppm en fósforo disponible. Ya no necesita aplicar el fósforo concentrado en la línea de siembra. Il n'a plus besoin d'appliquer de fósforo sur la ligne de semis. Porque todos los fertilizantes.
fertilizantes solubles à l'agua, car tous les fertilisants qui sont solubles à l'eau sont dans leur grande majorité toxiques pour le sol. No para las plantas, pas pour les plantes, pero para sí para el suelo. Mais pour le sol. Donc cette parcelle a rendu finalement 80 quintales, 8000 kilos por hectare. Plus de 80 quintaux hectares. C'est très bien pour nous. Ahora, esta diapositiva, ustedes vean el maíz, cómo crece, él toma el espacio. Ici, vous voyez donc comment la plantule se développe, elle prend son espace. Au milieu de cette végétation qui a été contrôlée au Roundup, une dizaine de jours avant le semis de maïs. Ici, donc, il y a eu un couvert végétal. Mais on a été obligé de la contrôler pour pouvoir semer le maïs. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le sol ne doit jamais être à l'arrêt. Il doit être en permanence actif pour faire plus de photosynthèse. Et même en hiver. Même ici, à cette époque. Donc ce que je dis, c'est que le grain est pour l'homme et les résidus, les pailles, pour le sol. Parce que le résidu est ce qui finalement a le plus de valeur. Et c'est notre obligation pour pouvoir continuer à exploiter notre sol. Donc de nouveau une photo de Chequén au Chili. On voit là un maïs derrière un blé. Ça c'est en France. Et également donc un système d'agriculture durable. On parle donc ensemble une langue universelle. Et là on retourne au Chili. Donc là, ce que je marquais, c'est grâce à l'agriculture durable, on peut de nouveau se considérer comme des agriculteurs. Et donc à ce sujet, je veux vous dire que Chequén c'est la Chequén est la seule ferme productive dans cette partie du Chili d'une surface totale dans la région de 100 000 hectares. Je dois faire plus de 60 km avant de trouver quelqu'un, un voisin. Il n'y a plus d'agriculture. Parce que ces gens-là ont déjà détruit leur sol. Et donc ces fermes aujourd'hui ne peuvent être que plantées en pin. Et pendant ce temps, les ravines progressent. Et donc on est dans une pente forte. Donc c'est une vieille photo. Une vieille photo où on récoltait du maïs. Avec une pente forte. Mais ça fonctionne quand même. Là donc sur une pente de 30%. Ça, la récolte, la culture fonctionne. El maíz está muy hermoso, alto, on a des maïs très productifs. 100 000 plantas por hectare. On met 100 000 plantes à l'hectare. Vean el maíz en la altura de la cosechadora. Regardez la hauteur du maïs, la hauteur de la machine. 16 tonnes, 16 toneladas. 160 quintaux. Entonces ahora quiero explicarles. Ojalá entender por qué tenemos que proteger el Colombia mineral, que no se nos erosione, que no se vaya. Voilà, je veux insister, vous expliquer pourquoi ne pas perdre ces colloïdes minéraux, qui ne soient pas perdus. Esta bella historia comienza con los rastrojos sobre el suelo. Donc de cette histoire commence par les résidus laissés en surface du sol. Yo dejo rastrojos
aquí en el suelo. Donc en laissant les résidus, je commence l'alimentation de mon sol. Y empieza el fenómeno que llamamos nutrición biológica del suelo. Donc la première étape est la nutrition biologique du sol. Y ahora vemos acá que estamos alimentando a la microbiología y a la mesofauna. Donc on alimente en fait la microbiologie et la mésofaune du sol. Después viene el fenómeno de nutrición edáfica. Donc vient ensuite la nutrición edáfique. Estoy nutriendo el suelo en su interior. No estoy preocupado de la planta, porque la planta es un accidente. Depende de la planta que llegue al suelo. Donc je m'intéresse à l'alimentation du sol. Finalement, la plante n'est qu'une conséquence, un accident qui arrive dessus. Et pour la première fois, nous estamos preocupando del suelo. Et donc pour la première fois, ce qui nous préoccupe ici, c'est bien le sol. Porque hay muchos especialistas. Parce qu'on est plein de spécialistes. En fertilidad de plantas. En fertilisation des plantes. Yo no entiendo nada de fertilidad de plantas. Moi, je ne comprends rien en nutrition des plantes. Porque hay 10.000 personas que lo hacen mejor que yo. Parce que beaucoup de gens le font certainement beaucoup mieux que moi. Entonces, el humus con carga eléctrica negativa, donc, el suelo con carga eléctrica negativa. Donc l'humus qui a sa charge négative électrique et le sol qui a une charge négative. Otro nutriente edáfico es el calcio. L'autre élément édaphique important, le calcium. Con carga eléctrica positiva bivalente. Avec une charge positive bivalente. La combinación del humus y del calcio. La combinación de l'humus et du calcium. Forma humato de calcio. Fait de l'humate de calcium. Es una sal común y corriente como el sulfato de amonio, nitrato de calcio, etc. C'est un sal normal comme le nitrate de calcium, etc. Y esta es la fracción del suelo que impide que el fósforo se fije en el suelo. Et c'est grâce à cette association que je fais que le phosphore ne se fixe pas dans le sol. Porque la diferencia que está con el colloide mineral. Parce que la différence avec le colloide minéral. Que cuando fija el fósforo no lo suelta. Qui lui, quand il fixe le phosphore, il ne le libère pas. Pero lo que pasa cuando tenemos materiales únicos en el suelo. Par contre, quand on a un matériel humique dans le sol. Estos humatos de calcio. Donc les humates de calcium. Atrapan el fósforo. Fixe le phosphore. Pero se lo van entregando lentamente a la planta a medida que lo necesita. Lui, il le libère petit à petit au fur et à mesure de l'utilisation des plantes. El fosfato de calcio, el fosfato de amonio, le phosphore d'ammonium ou le phosphore. El fósforo no es nutriente que beneficie al suelo. Le phosphore n'est pas un nutriment qui bénéficie au sol. Beneficia a la planta. C'est un bénéfice pour la plante. Y no miramos hacia el lado a mirar qué efecto tiene. Et surtout ne regardons pas l'effet qu'il a. Entonces, cuando hay materia orgánica, carbono en el suelo. Donc quand il y a de la matière organique et du carbone dans notre sol, tenemos más fósforo. Nous avons plus de phosphore. Estamos liberando el fósforo que quedó atrapado con mal manejo en años anteriores. Nous ne faisons que libérer finalement le phosphore qui a été fixé dans le sol par une mauvaise conduite culturelle. Nuestro campo, Chequén, en Chile, es un campo visitado por muchos productores universales. Donc sur la ferme de Chequén, on reçoit beaucoup de monde. He tenido el privilegio de tener a más de 250 productores franceses. Et j'ai déjà reçu plus de 250 producteurs français sur la ferme. En la década reciente. Dans les 10 dernières années. Y eso me siento muy orgulloso. Et croyez bien que je suis fier de ça. Y me hace muy feliz. Et très heureux. Que de otras latitudes, de otros hemisferios. Que d'autres cieux, d'autres hémisphères. On s'intéresse pour le travail qui est fait au Chili. Ça a été récupéré grâce à des caterpillars, des pelleteuses. Au milieu, on avait un énorme ravin. Une autre au fond. Hoy día no hay diferencia en fertilidad en un suelo que nunca tuvo ravine. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence avec les zones qui n'avaient pas de ravine. Y que se rellenó esa carga, esa ravine. Et donc ces ravines ont été éliminées. Y con el transcurrir de 15, 20 años. Et après une vingtaine d'années.
estamos logrando alta producción. On a des niveaux de rendement élevés là où autrefois il n'y avait rien. Yo no tengo subsidio del Estado. Je ne suis pas subventionné par l'État para hacer esos trabajos de mejoramiento del suelo. Pour faire tous ces travaux d'amélioration des sols. Tampoco los necesito. Et j'en ai pas besoin non plus. Porque trabajo con maquinarias propias. J'ai mes propres machines. Et tout l'argent qu'on produit avec l'argent de cette ferme reste sur la ferme. Soy 100% agricultor. Je suis 100% agriculteur. El riego por aspersión es fundamental en verano porque no llueve. L'irrigation par aspersion chez est nécessaire parce qu'il ne pleut pas une goutte. Esta es la colza. Donc là on a raps, un colza. Sur un trato de trigo. Sur un blé, un résidu de blé. En chequen. Chequen. Févrole. Que c'est un échange intéressant parce que maintenant c'est Carlos qui va repartir avec une févrole au Chili pour inclure une légumineuse dans ses résidus. Et donc il part content. Bueno, estoy todo el tiempo tratando de mejorar la parte biológica productiva de nuestro campo. Y eso me hace buscar nuevas semillas que se puedan adaptar. Aquí hay un mejoramiento genético de origen francés. Donc il s'agit, je suis content de tous ces échanges que l'on peut faire. Ici, évidemment, c'est une variété qui a été sélectionnée en France. Por favor, vean el rastrojo acá, ¿no? Donc ici, on voit les résidus. Ahora, estos son campos en Chequén, Chile, muy productivos. Donc ça, c'est une des parcelles à Chequén qui est très productive. Aquí está Randa, y hay su efecto para siembras de maíz. Donc, en primavera. Dans le fond, on voit une application de glyphosate qui los déjà fait son effet. Les blés, eux, ont déjà épié. Aquí ya está sembrado el maíz, está emergiendo. Voilà, au fond, le maïs a été semé déjà, il sort, il émerge. Esta foto es francesa. Ici, c'est une photo française. Y me alegra mucho poderla mostrar. Et je suis toujours content de la montrer. Está mostrando el rastrojo de maíz. Parce que donc on voit bien les résidus du maïs et au milieu d'un très beau blé. Y esta foto realmente a uno lo eleva al cielo. Et cette photo me monte au ciel. Porque ese el trabajo que le fue hecho de usted. Parce que ça, c'est le résultat de votre travail, de votre effort. Y dice mucho de la calidad empresarial, de la calidad del productor. Et ça me parle beaucoup de votre qualité d'agriculteur. No sé quién es el productor. Je ne sais pas qui a fait ça. Productor francés. Je sais seulement que c'est un agriculteur français. Que tiene fama en el mundo entero. Et vous avez une réputation dans le monde entier. Por ser muy responsable en el manejo de los suelos que trae. Pour être très responsable dans votre travail. Felicitaciones a todos ustedes. Donc je tiens à vous féliciter parce que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ont des blés comme ça. Esto es Chequén, nuevamente en Chile. Là, retour Chequén au Chili. Y nunca me imaginé que podía llegar a 100 quintales por hectárea. Je ne pensais pas qu'à Chequén je pouvais atteindre les 100 quintaux. C'est quelque chose d'impressionnant. Probablemente haya sido un récord mundial, no lo sé. Probablemente. Ça a peut-être été un record du monde en semi-direct, en agriculture durable. Bueno, quiero mostrarles un poco lo que ha ido la historia de Chequén. Nosotros. Donc, je vous montre un petit peu l'expérience, ce que l'on a observé depuis 78 sur les sols de Chequén. Donc lors d'un voyage aux États-Unis, j'ai acheté une machine d'une marque Alice Charman. Una sembradora neumática, un semoir pneumatique. Bueno, pero era de dos surcos. Mais il n'y avait que deux rangs. Hoy día estamos con 4 y 5 rangos. Aujourd'hui nous sommes à 5 6 rangos. Entonces, rotación de maíz, trigo durante hasta el día de hoy. Donc la rotation est maïs et blé jusqu'à aujourd'hui. ¿Cuántos milímetros caen en todo el año? Donc la colonne des précipitations totale de pluviométrie annuelle. Aquí está el contenido de nitrógeno aplicado en unidades por hectárea. Donc ça, ce sont les unités par hectare appliquées. Aquí está el nivel de anhídrido fosfórico que se aplica por hectárea. Ici l'anhydride phosphorique appliqué par hectare.
Ensuite, la récolte de grains par hectare, maïs, de blé, etc. Et enfin, les résidus qui m'intéressent autant. Donc, ce que je peux souligner, en nitrogène, j'ai augmenté. Pour atteindre 492. Par contre, en phosphore, 0 sur le blé. 0 sur le blé. Avec, en regardant les analyses de sol, les rendements ensuite, vous pouvez voir que les rendements ont progressé de manière jusqu'à atteindre 130 quintaux en maïs. Donc on peut considérer que cette rotation maïs-blé n'est pas l'idéal. Mais par contre, soyons clairs que les résidus du blé sont probablement les meilleurs résidus. Pour la qualité des résidus humiques que laisse la paille de blé. Donc là, la deuxième page va de 94 à 2007. Donc là, on voit les niveaux de nitrogène également en maïs, en blé. 300 pour le blé, 300 pour le maïs. En fait, on est en moyenne à 250 unités d'azote. Et avec ce niveau, on passe sans problème la barre des 100 quintaux. Par contre, en phosphore, maintenant, regardez, c'est zéro. Le phosphore n'est plus utilisé sur l'exploitation. Ça, c'est essentiel. Parce que ça impacte beaucoup le résultat économique. Par contre, les résidus se situent autour de 14 tonnes hectares en maïs. En blé, c'est... Donc toutes ces conditions ont des conséquences sur dépendent de l'irrigation, des insectes, etc. Donc il y a une quantité énorme de problèmes qui se présentent tout au cours du cycle. Et donc surtout ne vous découragez pas pour un échec d'une année. Je vais vous parler de cet accident que j'ai eu avec le feu sur mon exploitation il y a quelques mois. En plein été, 50 000 hectares ont brûlé dans ma région. Et on détruit également une partie de ma ferme. Mais ce qu'on voit là finalement, c'est l'effet du feu. Regardez ces traces. Ici, il y avait une branche. Cette branche a fait fondre l'argile. Et finalement, en dessous, le sol est apparu rouge. En brûlant, en faisant fondre les argiles, il a fait augmenter la taille des particules. Et ceci porte un préjudice très important à la capacité réticulaire de l'argile. C'est la capacité d'absorption de l'eau pour l'argile. Plus grandes sont les particules du sol, pires sont ses qualités physiques. Une moindre rétention d'eau. Et ça, c'est un dégât irréparable. C'est un dégât irréparable que fait le feu aux argiles.
Esta es una parte muy linda, pero ustedes ven como quedó destruido esto. Donc ça, ça c'était une très belle partie de mon exploitation et regardez après le passage du feu. Entonces, próximo. Ahora vemos que la represa que construimos en Chiquén. Donc nous avons construit une retenue d'eau. Además de generar agua para regar, qui sert autant à l'irrigation. Es un lugar de regar. C'est aussi un endroit de récréation, de rencontre. Parce que c'est ici qu'il faut s'arrêter et réfléchir. Et ça, c'est important que les agriculteurs prennent le temps de ça. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites. Ne regardez pas derrière vous, regardez devant vous. Donc on a fait une salle de conférence à Chequen en 90. Plus de 1000 personnes, plus de 1000 personnes par an de toutes les régions du monde. Et tout cela a été fait sans l'aide de personne. Hace poco tuvimos un grupo argentino. Bueno, los argentinos nos visitan por lo menos tres grupos al año. Des Argentins, on a des visites très fréquentes, au moins trois fois par an. Y últimamente recibimos un pequeño grupo de investigadores fitomejoradores de trigo. Fitomejoradores. Et donc on a reçu la visite très récemment là de phytoaméliorateurs en blé. Uno era de Siria. De l'Inde Syrie, de Alepo, de la ciudad de Alepo, que trabaja en ICARDA, que es una institución dedicada a la investigación. L'institut officiel de cette région de Syrie. Otro era mexicano del CIMIT, de México. Un mexicain du CIMIT. Otro era de Navarra, España. Un autre de l'Institut de recherche espagnol. Y un profesor de la Universidad de Chile. Et un professeur de l'Université du Chili. Bueno, mis amigos, la agricultura durable preserva la vida y el ambiente. Donc l'agriculture durable préserve la vie et préserve le milieu. Y podemos sentirnos todavía agradecidos. Et on peut être heureux que finalement il est encore temps de réagir. Bueno, les agradezco mucho la atención y con mucho gusto les ofrezco la palabra para que podamos. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et on va garder un petit peu de temps maintenant pour des échanges, des questions. Es muy importante que él esté observando cómo se desarrollan las lombrices en su campo. Par contre, donc c'est très important que vous ayez observé les mêmes choses que moi sur le développement de la vie dans votre sol. El apreciar los rastrojos, entender la importancia que tienen los rastrojos, es una cosa muy importante. Déjà comprendre comment tout cela fonctionne, c'est déjà énorme. Sí, de acuerdo a lo que hemos conversado hoy día. Mais par rapport avec tout ce que je vous expose aujourd'hui. Quizás usted podría mejorar más la estabilidad de su rastrojo. Peut-être pourriez-vous faire un effort pour préserver la stabilité de votre résidu. Donc si vous pouviez peut-être éviter le travail du rotavator, ou je ne sais pas comment vous le nommez. Me gustaría que él hiciera su propia experiencia. J'aimerais que vous fassiez l'essai. Pero una experiencia que tenga no menos de 6 años. De plusieurs années, 5-6 ans. Para que él mismo pueda percatarse. Pour que ce soit vous tout seul qui observiez. Las ventajas que va a tener. Les avantages supplémentaires que vous aurez. Si va a dejar el 100% de su rastrojo. Si vous laissez 100% du résidu sur le sol. Va a economizar combustible. Vous allez réduire aussi votre consommation de fuel. Va a mejorar notablemente la estructura de su suelo. Vous allez améliorer également la structure de votre sol.
va a mejorar el soporte, la capacidad de soportar el paso de la maquinaria de su suelo. Vous allez améliorer la capacité de supporter le passage des outils. Porque las máquinas van a pisar un colchón más blando. Parce que les machines passeront sur un matelas plus souple. Entonces son varias las ventajas. Donc regardez surtout les avantages supplémentaires. Et je me propose au travers de Frédéric Thomas pour que nous gardions contact et que l'on puisse avancer ensemble et dissiper quelques questions que vous pourriez avoir. Frédéric lo traduce en inglés y yo respondo dentro de la semana. Ya tiene la... Je m'engage que si Frédéric me traduit en anglais, je vous répondrai la semaine. Félicitaciones por lo que Mais haciendo. En tout cas, félicitations pour ce que vous faites. Es un trabajo de investigación. C'est un travail de recherche. Y eso es lo grande y lindo que tiene la agricultura. Et ça, c'est ce qui est beau dans l'agriculture. C'est un monde immense. C'est un immense défi. Pour mettre toute votre capacité à comprendre à disposition de manière à mettre en place un travail plus novateur. De manière à changer ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Parce que vous allez rencontrer les mêmes problèmes que j'ai eus. Et donc c'est par la recherche. C'est que par la recherche qu'on trouvera des solutions à nos problèmes. No basta observar si no somos ordenados. Déjà, pour observer, il faut aussi être ordonné. Los ensayos bien delineados, bien especificados. Les essais, faites des essais, mais bien conduits. Y ser muy dedicados a este proceso, porque nadie más que ustedes lo pueden hacer. Parce que, de toute manière, vous êtes les seuls à pouvoir faire ça. Es cierto que los institutos de investigaciones agrícolas en todo el mundo, esa es la responsabilidad de ellos. On est bien d'accord que normalement cette responsabilité est plutôt sur les instituts d'agronomie et de recherche. Y que nadie cuestiona que estos resultados pueden ser muy meritorios, de hecho históricamente así lo han sido. Et on ne peut pas nier non plus qu'ils ont obtenu des résultats intéressants dans leurs travaux. Pero no vale menos la actitud del productor. Mais surtout, le travail que font les agriculteurs ne vaut pas moins que cela. Cuando, por inspiración profunda, quand, él desea solucionar un problema. Quand c'est votre, par motivation, vous souhaitez régler vos problèmes. Porque si hay algo que vale en la agricultura es la biodiversidad. Donc ce que l'on doit privilégier, c'est la biodiversité. La diversidad de suelos, la diversité des sols, la diversidad de climas, de climat, y la diversidad de mentes que tenemos et la multitude d'intelligence qu'il y a sur notre planète. Entonces, sin duda alguna, lo que usted hace, eso indica que hay una preocupación por llegar a solucionar un problema. Et donc, ce que je vois de votre préoccupation, c'est que vous travaillez à solutionner quelque chose. Et donc, vous avez commencé à vous préoccuper non seulement de vous-même, mais de la vie de votre sol, de vos lombriques. Il también va a mejorar su suelo y se va a beneficiar él, su suelo y todos los seres humanos. Et donc, en travaillant pour le bien de votre sol, c'est pour votre bien. Vous travaillez pour le bien de tous les autres. Así que ojalá que en esta sala exista mucha más gente. Donc j'espère que dans cette salle, j'espère qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui aient cette préoccupation. Porque la riqueza no está en el suelo. Parce que la riqueza está en el hombre, en la capacidad del hombre, en la capacidad de entender, de respetar y de amar lo que hace. Donc la véritable richesse n'est finalement pas le sol, mais c'est l'homme et son intelligence.
Muchas veces esto es muy difícil. C'est certainement souvent très dur pour vous et peut-être des larmes. Mais personne ne le fera pour vous. 30 ans applicando Roundup en el campo. Parce que bon, j'ai appliqué pendant 30 ans du glyphosate sur mon exploitation. 30 años aplicando herbicidas de hoja ancha. Pendant 30 ans, j'ai appliqué aussi des herbicides pour les dicotylédones, pour les plantes pérennes et les plantes annuelles. Lo que he logrado, et ce que j'ai obtenu, es aumentar la producción tres veces. Ça a été de multiplier par 3 ma production. De 2000 kilos de trigo a 16000 kilos de trigo. De 20 quintaux à 80 quintaux. 60 quintaux. Kilos de trigo, kilos por hectárea de trigo. 60 quintaux de blé. Entonces, en la agricultura biológica. Donc l'agriculture biologique. A mí me encanta. Ça m'intéresse. Je trouve ça aussi fantastique. Pero no puedo producir trigo en 300 hectáreas. Mais je ne peux pas produire 300 hectares de blé avec de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, je ne peux pas. Yo quiero decirles algo. Mais je tiens à vous dire. Si a nosotros nos preocupa nuestra sustentabilidad, nuestro ecosistema. Donc si nous sommes préoccupés par notre subsistance et notre écosystème, el daño que un agricultor como yo, como ustedes, hace al suelo, le mal qu'un agriculteur comme moi, comme vous, faites à votre sol, es mil veces inferior a que hace la agricultura orgánica. Déjà, l'agriculture durable est mille fois moins agressive pour le sol que l'agriculture conventionnelle. Cuando el agricultor orgánico me diga a mí que él, quand un agriculteur organique pourra m'expliquer qu'il n'utilise pas la charrue ou n'importe quel outil de travail du sol, de rotavator ou cover crop, vamos a ser muy buenos amigos. Alors là, on sera bons amis. Yo no puedo ser más papista que el papa. Je ne peux pas être plus papiste que le pape. Porque yo hago todos los esfuerzos posibles para lograr entenderme con la naturaleza. Parce que mon effort principal, moi, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne la nature. Tengo una tremenda respuesta de la naturaleza. J'ai une réponse très, très claire de la nature. Yo converso con mis plantas. Je parle avec elles, avec mes plantes. La respuesta la tengo el día siguiente. Et j'ai toujours la réponse le jour suivant. Cuando al día siguiente el maíz ha crecido 10 centímetros. Quand je vois que mon maïs a poussé 10 centimètres, en un jour, entonces, ¿cómo no voy a entender el mensaje? Alors comment est-ce que je ne comprendrai pas ce message? Cuando hago un corte en mi suelo con mucha humildad y con mucho cuidado y saco. Donc quand je fais un profil de sol sans l'abîmer et que j'ai ce sol-là dans mes mains et pour essayer de ne pas trop l'oxyder, je le remets à sa place. Nosotros tenemos que trabajar con ese respeto. Il faut qu'on travaille avec ce respect. Va a llegar el día. Parce qu'un jour. Et que vamos a tener un control de malezas natural. Parce que viendra un jour où on aura probablement un contrôle des mauvaises herbes plus naturelles. Existen herbicidas naturales. Il existe aussi des herbicides plus naturels que l'on a pu extraire des plantes. La alelopatía. La alelopatía, par exemple. Es el resultado de la siembra. De agricultura de conservación, de agricultura durable. C'est une des observations que l'on a faites en agriculture de conservation durable. Esos rastrojos que están siendo destruidos o degradados por la microbiología del suelo. Parce que finalement tous ces résidus qui sont dégradés par la microbiologie du sol génèrent, par exemple, en el caso del trigo, génère dans le cas du blé un compuesto, un hongo que se llama Penicillium urticae. Donc parce que ces micro-organismes fabriquent du Penicillium urticae, que genera ácido ferúlico, qui produit un acide ferúlico. Ferúlico. Y ese acide ferúlico
Ese ácido controla las malezas y germinación. Et ça, c'est un acide qui contrôle la germination des mauvaises herbes. Entonces, yo creo que estamos observando. Donc on observe déjà este manejo que hacemos del suelo. Que cette manière de gérer nos sols. Yo no puedo decir que la agricultura durable es lo último. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que l'agriculture durable c'est la solution finale. Lo que estoy diciendo que es un salto muy grande que estamos dando. Mais par contre c'est un saut énorme que nous sommes en train de faire. Porque todos queremos mejorar. Parce que ce que nous cherchons tous c'est améliorer. Ser servidores de la naturaleza. Servir l'agriculture. Y no que la castigue. Et au contraire ne pas l'abîmer. Yo respeto la agricultura orgánica. Donc je respecte l'agriculture organique biologique. Tanto como respeto a mis lombrices. De la même manière que je respecte mes lombriques. Yo respeto la vida. Je respecte la vie. Hemos logrado reemplazar las barrancas por un cultivo que se establece para beneficio del hombre. Donc on a pu réussir à installer des cultures qui s'implantent pour le bénéfice de l'homme. Hemos logrado que los campos nuevamente florezcan. De nouveau, les cultures fleurissent. Hemos logrado que los pájaros nuevamente vuelvan. De nouveau, les oiseaux reviennent dans nos parcelles. Hemos logrado que las aguas corran puras. De nouveau, on observe des eaux pures. Hacia los esteros, los ríos y el ancho mar. Qui ruissellent vers les rivières et les fleuves. Y es tan poco lo que he tenido que hacer para lograr todo eso. Et finalement, c'est bien peu ce que j'ai fait. Amor, ça a été respeto. Fait avec beaucoup d'amour et de respect. Esa palabra, respeto, que en este mundo moderno ya casi no existe. C'est ce mot de respect qui a trop disparu dans notre monde actuel. Mi suelo me ha enseñado a amar, a respirar. C'est la leçon de mon sol qui a été d'apprendre à aimer et respecter. Vivir en humildad entre medio de nuestros semejantes. Être plus humble par rapport aux autres. Y tratar de entregar lo mejor de sí. Et essayer de faire le mieux qu'on peut. A través de nuestro suelo. Es una fortuna y doy gracias a Dios que me ha iluminado para llegar hasta el día de hoy acá. Et donc je considère que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu observer tout ça et être face à vous aujourd'hui. Je ne vous demande surtout de ne pas faire des choses que vous ne voulez pas faire. Mais c'est votre conscience qui doit vous guider. Votre honnêteté qui doit vous guider. Van a llegar et c'est comme ça que vous arriverez à améliorer votre milieu. Y todos los seres humanos tendrán que rendirle a ustedes un homenaje. Et donc le reste de la population devra vous faire hommage. Porque le están asegurando a todo el mundo. Parce que finalement vous ne faites qu'assurer l'alimentation de tous les autres. Hoy, mañana y siempre. Pour toujours. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il pensait du climat qu'on avait en France, qui est plutôt doux et humide, enfin, principalement en Bretagne, en comparaison au climat qu'il a chez lui, qui est plutôt chaud, sec, et, enfin, malgré qu'il y ait sûrement des grosses intempéries en hiver. En définitive, est-ce que le climat qu'il a chez lui ne serait pas plus favorable à ces thématiques de semis directs comparé à chez nous en France? Je vais traduire, mais je pense que la réponse va être... Si piensa que las condiciones de Chile son más favorables a la siembra directa que las condiciones francesas. Dile que yo pienso al revés. Ben, lui pense effectivement justement que c'est le contraire. Ici, il est émerveillé par déjà vos sols. On parle de ça depuis plusieurs jours là qu'on se promène. Des sols avec des teneurs en calcium qui le font rêver, des petites pluies permanentes qui le font rêver toute l'année. Enfin, vous êtes dans un milieu béni. Et dans ces conditions, l'agriculture durable est encore plus facile. Lui, il a été amené à ça par la nécessité, et c'est peut-être pour ça qu'il a dû commencer plus tôt et que ça a été plus dur pour lui. Enfin, notre climat doux et humide, des fois on le voit plutôt comme un inconvénient qu'un avantage, quoi. Ben, allez voir ailleurs. Excusez-moi, non, pas autre. Je m'excuse, hein, c'est pas moi qui suis venu parler. On est
en termes de latitude au Chili, on est à l'équivalent de Marrakech, en hémisphère nord. Donc en fait, on a une luminosité qui est très supérieure à celle qu'on a ici. Et donc qui dit luminosité supérieure dit photosynthèse supérieure, et donc dit également besoin dans l'ensemble des fertilisants de supérieur également. Donc on n'a pas de limite, on apporte énormément d'eau, énormément d'azote pour une photosynthèse très forte, et ce qui nous explique aussi un niveau de rendement sur les maïs qui est également supérieur à ce qu'on a ici. Hein, donc une grosse activité des plantes en fait. Sin embargo, la literatura dice, mais bon, si on regarde un petit peu la littérature, que hay que usar para 12.000 kilos de maíz por hectárea, on voit si on veut atteindre un rendement de 120 quintaux, 250 kilos de nitrógeno, 250 kilos d'azote, y en trigo, et en blé, para producir 6.000 kilos por hectárea, si on veut passer les 60 quintaux, necesitamos sobre 150 unidades, il faut également plus au moins 150 unités d'azote. Entonces todo esto va a depender de las exigencias que ustedes le impongan al suelo en materia productiva. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous attendez de votre sol. ¿Cuáles son las metas que ustedes van a tener? Qu'est-ce que vous avez comme objectif de production? La gran mayoría de los fertilizantes solubles en agua. Donc la grande majorité des engrais qui sont solubles dans l'eau, en alguna u otra forma son tóxicos para el suelo. Mais donc en règle générale sont toxiques pour le sol. Entonces, si yo aplico un superfosfato triple, donc si j'applique un superphosphate triple, concentré, en un área allegado a la semilla, concentré dans une région où se trouve la semence, aquí está el triple, acá está la semilla, même si, oui, juste à côté, la simbiosis de micorriza con planta, donc la symbiose des mycorhizes avec la plante, no se efectúa. Ne va pas être bien, ne va pas se faire. La micorriza vesícula muscular, donc les mycorhizes de cirque arbusculaire, no vive cuando los fosfatos son solubles. Ne peut pas vivre dans un milieu avec des phosphates solubles. A ella le gusta el fosfato tricalcique. Elle préfère le phosphate tricalcique. Fosfato que no es soluble al agua. Un phosphate qui n'est pas soluble à l'eau. Y de hecho la micorriza hace un efecto espectacular dentro del suelo. Et donc là, les mycorhizes font un très bon travail dans le sol. Sacando fósforo del suelo no soluble y transformándolo en soluble. En extrayant du phosphore non soluble pour le faire soluble. Entonces, como conclusión, respecto al fósforo, donc, concernant le phosphore en tout cas, el fósforo debe ser aplicado sobre el suelo, al voleo, broadcast, al voleo. Voilà, donc l'application du phosphore doit être faite sur le sol, à la volée. Si el suelo tiene un contenido superior a 12-14 partes por millón, pour des sols qui ont des teneurs en phosphore Olsen de 12 à 14%. Si tenemos menos ppm, fósforo, ppm. Si tenemos menos fósforo soluble por 10 o 8 partes por donc, millón. Si on est sur des cas de sols qui sont inférieurs à 10-12 partes par million. El 50% del fósforo debería ser aplicado con la sembradora. 50% du phosphore là peut être appliqué avec le semoir. Y el resto, al voleo. Y el resto a la volée. Respecto de los otros nutrientes, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, etc. Tous les autres fertilizants, nutriments. Ninguno de esos productos o fertilizantes deben aplicarse con la sembradora. Aucun de ces éléments-là ne peuvent être appliqués, ne doivent être appliqués avec le semoir. El agricultor tradicional piensa. Donc l'agriculteur d'habitude pense. Él quiere alimentar la planta. Que son objectif c'est d'alimenter la planta. En un área muy restringida. Dans une petite sphère. Para concentrar los fertilizantes y que solamente las plantas establecidas sean capaces de tomar ese fertilizante. De manière à ce que le fertilisant soit concentré uniquement sur les besoins de la plante. Eso no es válido en trigo. Mais ce n'est pas valable porque pour le blé. Sembramos el trigo entre 15 y 20 centímetros. Parce qu'on sème à 15 ou 20 cm entre rangs. No necesitamos acercarnos. Il n'y a pas besoin de s'approcher.
Et dans le cas du maïs, le maïs au bout d'un mois, de germination, après sa germination, ya tiene raíces a 20 centímetros, il, 25 centímetros il a déjà des racines de 20-25 cm. Entonces, le estamos haciendo un perjuicio a las plantas establecidas. Donc en fait on porte un préjudice à la plante qui est installée. Cuando concentramos los fertilizantes para que la planta lo utilice. Quand on concentre les fertilisants à côté de la graine. La aplicación de nitrógeno cualquier tipo de toute forme d'azote inhibe la nodulación de las plantas leguminosas. Bloque en fait la nodulation des racines des plantes légumineuses quand il y a les symbioses. En la planta, en el suelo, los microorganismos no fijadores de nitrógeno por vía simbiótica, sino que por vía libre. Donc dans le sol, les micro-organismes qui fixent l'azote, non pas du sol mais de l'air, como por ejemplo, azotobacter, comme les azotobactères, les algues vertes qui sont toutes des fixateurs de l'azote de l'air. Et dans ce cas, on les abîme. On arrête le fonctionnement de ces micro-organismes. En l'agriculture traditionnelle, donc par contre, la fertilisation. Donc par contre en agriculture traditionnelle, está dirigida a la planta. On se préoccupe de la plante, donc forcément on alimente la plante. En agricultura durable, par contre dans notre schéma, l'agriculture durable, ce qui nous intéresse c'est le sol. Y eso tenemos que entenderlo. Et ça il faut le comprendre. Hay que entenderlo porque si no no vamos a entrar nunca a una agricultura durable bien desarrollada. Si on ne part pas de ce point, on ne se comprendra jamais. Eso es. Tenemos que entender en agricultura durable donc, la aplicación de un fertilizante. Donc on doit comprendre qu'en cas d'agriculture durable, l'application de tout fertilisant localizado en el suelo, localisé dans le sol va a producir probablemente daños. Il va atténuer la meilleure production. Donc va probablement faire du mal et affecter la future production. Al suelo hay que darle el nutriente con botario. Donc il est toujours préférable d'apporter les fertilisants à petite dose. Para no intoxicar la planta. Pour déjà ne pas intoxiquer la plante. Para no lixiviar los nitrógenos. Pour que les nitrates ne soient pas emportés par l'exsiviation. Para no fijar los fosfatos en el suelo. Pour ne pas fixer les phosphates dans le sol. Entonces, el esquema cambia. Yo estoy fertilizando el suelo, estoy aplicando los nutrientes al suelo. Donc c'est bien au sol qu'il faut penser quand on applique les fertilisants. Y como consecuencia de ello, et ce n'est que la conséquence de ça. Yo estoy fertilizando la planta. C'est que la conséquence uniquement est la fertilisation de la plante. Un caso típico en mi país. Donc un exemple chez moi. Chile tiene récord mundial. Au Chili. Uso de fosfato por hectárea. Donc au Chili, on a un record mondial de phosphate par hectare. El 60% de los suelos chilenos. Et pourtant 60% des sols au Chili son suelos de origen volcánico. Sont des sols volcaniques. Que tienen un alto contenido de hexioxidos de aluminio. Avec un très fort taux en aluminium. Y fijadores de fosfato. Et qui fixe le phosphate. Y junto con el pH bajo. Et en plus avec un pH très bas. Los agricultores creen. Et donc ce que croient les agriculteurs. Que como con 100 o 200 kilos no hay respuesta al fósforo. Comme il n'y a pas de réponse avec 100 ou 200 kilos de phosphore. Tienen que seguir aumentando la dosis. Eh bien il faut en mettre plus. Entonces hoy día el pool de fósforo que hay en ese suelo es altísimo. Et donc aujourd'hui on a fait que augmenter la quantité de phosphore dans le sol. Porque todo el fósforo que han aplicado más de 100 años. Parce que depuis 100 ans on rajoute du phosphore. No son capaces de hacerlo soluble para la planta. Mais il n'est pas soluble. Porque desgraciadamente la constitución genética de ese suelo. Parce que finalement la génétique même du sol. Es brutalmente fijadora de phosphore. Et c'est de fixer le phosphore. Pero curiosamente ellos queman los rastrojos. Et paradoxalement ce qu'ils font c'est brûler les résidus.
El trigo, la troca de trigo. Les résidus, les pailles de blé. Y eso no se compadece con las exigencias que tiene el suelo. Et ça, c'est contraire aux intérêts, aux besoins du sol. Entonces, yo no puedo hablar con los productores. Donc on ne peut pas parler ensemble. No me quieren para nada. Ils ne m'aiment pas non plus. Porque cuando, por alguna casualidad, llego a estar una reunión de productores, parce que parfois j'ai l'occasion d'être en réunion avec eux. Saben que los voy a retar. Ils savent que je vais leur reprocher. Porque están haciendo solamente cosas indebidas. Parce que la seule chose qu'ils font, ce sont des choses qui ne sont tienen pas que correctes. Aplicar, por ejemplo, fosfatos tricálcicos. Donc ils doivent appliquer du phosphate tricalcique. Que no es soluble al agua. Qui n'est pas soluble à l'eau. Y va a ser lentamente disponible. Et qui sera disponible de manière plus lente. Ayer, no hoy, mais, ayer la respuesta. Mais ils veulent toujours le résultat tout de suite, même hier. Y eso no es posible. Et donc ça, c'est pas possible. Al frente de un fenómeno biológico. Donc on est avec un phénomène biologique. Y si no somos capaces de entenderlo, et si on ne commence pas à comprendre ça, no podemos ser agricultores. Il vaut mieux pas être agriculteur. Yes, 20, 40 un metro cuadrado. 20, 30 à 40 par mètre carré. Pero el metro cuadrado, 20 centímetros de profundidad. Sur 20 cm de profondeur. Lamentablemente también tenemos el mismo problema en Chile, especialmente de donde yo vivo, el sur. Donc, aumenta la precipitación. Donc effectivement, ce problème est le même au Chili, et plus on va au sud avec l'augmentation de la pluviométrie, plus c'est prononcé. Pero tengo que decirlo con claridad. Mais d'abord, faut que je vous dise clairement. Que este fenómeno se debe al mejoramiento de su ambiente. Mais déjà, c'est la conséquence de l'amélioration de votre condition agronomique. La babosa baila de feliz en la agricultura durable. Donc les limaces sont très heureuses dans cet environnement d'agriculture durable. Se reproduce protegida por los rastrojos de trigo que lo alimenta. Elles se multiplient parce qu'elles sont protégées dans les résidus. Pero el hombre es más inteligente que la babosa. Mais l'homme est plus intelligent que la limace. Tenemos Metarex, tenemos Clartex en Francia. Et vous avez en France des produits efficaces. El principal productor del mundo de este producto que está en Chile. Un produit qu'on trouve aussi au Chili, le Metarex, etc. Entonces no se queje. Donc ne nous plaignons pas trop. Porque la solución está en sus manos. Mais de toute manière, la solution est entre vos mains. Y siéntase feliz de que tiene babosas. Et donc soyez heureux d'avoir des limaces. Porque es el mejor índice de mejoramiento de su ambiente. C'est le meilleur indice de la bonne santé de votre milieu. Fungicidas. Donc j'occupe des fungicides pour les céréales, de forma permanente, mais de manière permanente, solamente en la semilla. Uniquement sur la semence, occasionalmente aplico, et de manière très occasionnelle, cuando hay ya un desarrollo vegetativo. Quand les plantes sont développées. Porque lo que hace el sistema, parce que donc ce que fait le système, es ordenar un poco, c'est mettre un petit peu d'ordre dans tous ces cycles. La planta más saludable, les plantes les plus saines, mejor nutrida, mieux nourries, tiene mayor resistencia résiste, a ataque de patógenos. Résiste donc mieux à toutes les attaques pathogènes. Eso pasa también con los desarrollos de hongos a nivel radicular. Et il se passe la même chose au niveau des champignons sur les racines. Por ejemplo, el mal del pie. Les problèmes de piétin. Es una enfermedad radicular típica de los suelos ligeramente ácidos a ácidos que se cultivan. Donc, qui est une maladie typique du système racinaire dans des sols acides, dans les sols acides travaillés. En mi primer libro, Agricultura Durable, hay un trabajo de ensayo. Sur le contrôle de l'ongo, le mal del pie. Donc dans mon premier livre, il y a une partie où j'explique le moyen de résister au mal, au piétin. En base à la
agricultura durable. En utilisant les techniques de semis direct. Un día, por fortuna, para quien habla, un jour, à ma grande chance, un amigo agrónomo mío, un ami agronome me muestra dos textos m'a montré deux textes d'agriculture del profesor de Molón, du professeur de Melon, un français. Por favor, quiero pedirles que levanten la mano los que han leído el texto Dinámica de los suelos. Donc je vous demande qui dans la salle a lu, han leído alguno de sus textos. Por qui, favor, qui dans la salle la a lu hein, les textes de Molon. Je répète la question. Donc Carlos demande qui dans la salle a eu l'occasion de lire les textes de Molon. Ah, Frédéric, lève la main. Voilà. Bueno, uno al menos. Un seul, c'est déjà bien. Mis amigos, ustedes están desechando uno de los textos más valiosos. Eh bien, vous êtes en train de perdre un des textes les plus importants de agronomía, sur l'agronomie, publicado en el mundo. Publié dans le monde. Yo sé que el profesor de Molón ya no está vivo. Bon, monsieur, le professeur de Molon est mort, évidemment. Es un hombre mucho mayor que yo. Qui est encore plus vieux que moi. El profesor de Molón dijo que cuando se agregaba. Et donc le professeur de Molon a expliqué que quand on met des engrais organiques sur le sol, de vacuno, porcino, quelle que soit l'origine, porc, bovin, y se desparrama en superficie del suelo, et qu'ensuite donc on l'étale sur le sol, se logra controlar el mal del pie. Eh bien, avec cette technique, on contrôle le piétin. ¿Qué es lo que hace el guano? Et donc, qu'est-ce que fait le guano? El guano fomenta la proliferación de los hongos que se necesitan en el suelo. Donc, ce que fait le guano, c'est qu'il favorise la prolifération des champignons saprophytes, de los symbiotiques. Entonces, a mí me dio una lección de Molón. Et donc ce professeur de Molón m'a fait une leçon. Si yo no puedo aplicar guano, parce que si je ne peux pas appliquer de guano, pero tengo paja, mais j'ai de la paille, j'ai des résidus, la paja de trigo, j'applique la paille. Y finalmente el beneficio que voy a lograr con la paja del trigo o de lo que sea. Et finalement les bénéfices que j'aurai de cette dégradation des pailles va a ser un resultado muy similar, va être finalement très proche a lo que Molón nos dice en su texto con respecto al Gammonomyces graminis. Voilà, donc finalement avec la dégradation des résidus en surface, j'obtiendrai le même résultat que ce que conseillait de Molón sur le contrôle du piétin. Mis amigos, por favor, esta es una tarea que les dejo para que se lleven para la casa. Mes amis, je vous laisse du travail pour ce soir. Busquen en esta universidad el libro de A. de Molón. Donc cherchez dans cette université les livres de A. de Molón. Dinámica del suelo número 2. Dynamique du sol numéro 2. Y se van a enriquecer. Et vous allez vous enrichir. Para mí ha sido una suerte que este amigo agrónomo me haya mostrado esos libros. Pour moi, ça a été une chance que cet Pero ami agrónomo me lo montre. Mais par contre, pour lui, ça a été... Porque yo no le pude entregar el libro que ya tenía en mi mano. Le dije, mira, haz lo que quieras conmigo, pero no me quites el libro. Et donc son ami a perdu le livre parce qu'il ne lui a jamais rendu. Hier, con resignación, et donc, avec résignation, me permitió, il m'a permis estudiar el libro de Molón. D'étudier ce livre. Yo menciono a de Molón en la bibliografía. Et donc, il figure comme les références bibliographiques de mon premier livre. Y agradezco a Dios que me dio esa oportunidad, mi amigo agrónomo. Et donc, je remercie Dieu pour ça. Demorado mucho más. Sinon j'aurais mis beaucoup plus de temps à comprendre le fonctionnement. Vive la France. Mais, vive la France. L'allélopathie. Donc l'allélopathie. C'est une interaction biochimique. C'est une interaction biochimique qui est en relation directe. Qui est donc en relation directe
en los vegetales que se están tratando de hacer producir. Entre les différents végétaux qu'on essaye de produire. Tiene un efecto negativo contra las malezas. Donc il y a un effet négatif contre les mauvaises herbes. Como ya lo expliqué en parte. Comme on en a déjà parlé. Y también tiene efecto negativo a la misma planta que se está sembrando. Mais ça a aussi un effet négatif pour la plante elle-même quand elle germe. Después de haber leído toda la literatura que existe a nivel mundial respecto de esto. Donc après avoir lu énormément de bibliographies au niveau mondial sur ce sujet. Porque tenía graves problemas. Et surtout très préoccupé parce que ça m'affectait beaucoup. Para poder controlar la alelopatía. Pour contrôler ce phénomène d'allélopathie. Que es un fenómeno, de acuerdo, lo explico en los dos libros todo el tema de la alelopatía. Et donc c'est un sujet que j'ai abordé dans les deux livres d'ailleurs. En que hay un cuadro. En que dice relación con el tiempo. Donc il y a un tableau avec une évolution dans le temps. La alelopatía tiene una particularidad. Cada hongo tiene un efecto especial y específico sobre ese ecosistema. Donc chaque champignon a un effet particulier sur cet écosystème. La temperatura tiene que ser. La température doit être. Tiene que ser sobre 6 grados. Au-dessus de 6 degrés. Con un máximo de 18 grados. Avec un maximum de 18 degrés. En ese momento el hongo alelopático. Et à ce moment, le champignon allélopathique tiene un fuerte efecto negativo en la germinación de las semillas y de las plántulas. Donc à ce stade-là, il y a un fort effet négatif sur les plantes, les graines qui germent et sur les plantules. Pero el ácido ferúlico, el ácido cumárico. Donc les deux acides. Todos estos ácidos alelopáticos. Les acides ferruliques et quoi l'autre? Pecumárico. Ont des effets très négatifs sur la germination. Tiene un efecto muy poco prolongado. Mais très court. Porque son solubles al agua. Parce qu'ils sont solubles à l'eau. Y los colores orgánicos que se generan en el suelo con la misma agricultura durable. Et donc les colloïdes organiques qui se génèrent par l'agriculture durable. Se dégradent en un plazo de 4 semanas desde que se forman. Les dégradent dans une durée maximum de 4 semaines. Y de las 4 semanas hasta las 8 llega a cero. Et donc diminue de 4 à 8 semaines pour finir à zéro. Eso tiene que ver básicamente entonces con la cantidad de agua, con la temperatura. Donc c'est très lié à la quantité d'eau disponible, la température. Y tiene que ver por supuesto con las primeras lluvias de otoño. Donc les premières pluies d'automne. Es probable que ustedes tengan una neuropatía acá. Et donc il est très probable qu'ici vous ayez les mêmes problèmes. Porque las pajas más generadoras de compuestos alelopatíticos. Les plantes qui les pailles qui génèrent le plus cet effet allélopathique. Es el centeno. C'est le seigle. La cebada. L'orge. El trigo. Le blé. El triticale. Y la avena. Et l'avoine. El maíz no genera compuestos alelopatíticos. Le maïs par contre ne génère pas de problèmes alelopatíticos. El sorgo sí genera compuestos. Alors que le sorgho oui. Las leguminosas en general. Les légumineuses en général. No generan compuestos alelopatíticos. Ne génèrent pas de problèmes alelopatíticos. Cuando yo cosecho trigo. Donc, y estoy dejando más de 3000 kilos por hectárea de residuos. Donc avec un blé, quand on laisse plus de 3 tonnes par hectare de résidus. Y vienen las lluvias de otoño. Et que les pluies d'automne arrivent. Y quiero sembrar sobre esos más de 3000 kilos de paja. Et que j'ai besoin de semer dans ces 3 tonnes de paille. Seguro que voy a tener efecto alelopático. C'est sûr que j'aurai des problèmes allélopathiques. La semilla se pudre y llena de agua. La semence pourrie se remplit d'eau. No alcanza a germinar. Et ne germe pas. Es atacada por el ácido ferúlico. Elle est attaquée par l'acide ferulique. Y ese ácido ferúlico. Et cet acide. Es generado. El hongo. Est généré. Penicillium urticae. Est généré par le champignon Penicillium urticae. Hay ahí un producto. Que se llama patulina. Donc il y a un produit qui s'appelle la atuline. Matuline. Se produce desde el inicio del sistema. C'est un produit qui commence à se générer dès le début du processus. Y dura hasta las 8 semanas. Et qui dure donc pendant les 8 semaines. Entonces, ¿qué es lo que hago? Donc qu'est-ce que je fais? Si tengo condiciones ambientales favorables para la alelopatía. Si je suis en condition favorable pour l'alléopathie.
favorables a las babosas. Favorable aux limaces. Yo estoy retirando todo lo que me dé más de 3.000 kilos de paja por hectárea, lo enfardo. Je retire tout ce qui excède 3 tonnes par hectare de résidus. Pero eso es lo que yo hago en mi tierra. Par contre, c'est ce que je fais chez moi. Yo tendría que vivir en Francia un par de años. Et il faudrait que j'habite avec vous pendant quelques années pour establecer el círculo de la alelopatía. Pour mieux comprendre quel est le cycle de l'allélopathie ici. Entonces, yo creo que es bueno que este fenómeno sea estudiado por los centros de investigaciones agrícolas como el INRA. Donc je crois que voilà un bon sujet de travail pour les chercheurs de l'INRA. Porque requiere de un trabajo profesional. Parce que là il y a un besoin d'un travail de professionnel. Meticuloso. Meticuleux. Profundamente investigador para desarrollar entonces cuál es el sistema que se adapta al clima de ustedes y a los agroecosistemas. Donc pour déterminer dans votre milieu quelles sont les caractéristiques de ce phénomène. Yo en un principio establecí las siembras a 10 metros de distancia con poca paja. Et après, qu'il a un camion. Donc au début, j'ai essayé de développer des systèmes d'andins, des résidus, à tous les 10 mètres. Entonces, de forma artificial, et donc d'une manière artificielle, yo estaba corriendo la paja, je déplaçais la paille, dejando entre orilla y orilla de las bandas, de manière à laisser entre chaque bande no más de 3000 kilos de paja, pas plus de 3 tonnes. Y la mayor parte de la paja quedaba apilada, et concentrer l'excès sur en línea lo más recto posible. Sur un andin droit. Pero finalmente tuve que abandonar este sistema. Et j'ai dû arrêter ce système. Porque es demasiado complicado hacer las líneas. Parce que finalement c'était trop de travail. Trop de travail et trop compliqué à mettre ça en place. Yo tengo pendiente en mi campo. Rappelez-vous que chez moi il y a des pentes très fortes. Ici vous êtes à moins de 15%. Ce qu'on a vu entre les Charentes et Rennes. On a vu que des superbes fermes entre les Charentes et puis. Donc je reviens à parler d'une agriculture simple. Et là, avec les andins, je me compliquais un peu trop la vie. Et puis après, bon, j'avais les balles de paille. Que tienen un valor económico. Qui elles aussi ont une valeur économique. Parce que je vous rappelle, je suis le seul producteur dans la région à faire de l'agriculture et à avoir des balles de paille dans la région. Entonces, ciertamente que todo lo innovador, mis amigos, es difícil. Van a aparecer, yo creo que han aparecido pocos problemas. Donc finalement, il est apparu peu de problèmes. En l'Argentine, no hay prácticamente babosas. En Argentine, solamente en el sur argentino. En Argentine, il y a très peu de limaces, peut-être uniquement dans le sud de l'Argentine. Ellos están circunscritos a un área con babosas muy pequeña en superficie. Ils ont très peu de problèmes. El resto hace mucho calor. Et pour le reste des surfaces, il fait trop chaud. La babosa no funciona. Et les limaces craignent énormément la chaleur. Ellos cosechan el trigo en noviembre. Donc les récoltes de blé se font en novembre en Argentine. Et derrière le blé, ils mettent un soja en deuxième culture. Et donc sur l'ensemble des... Ils ne sortent pas un kilo de résidus de leur blé. Donc en raison des problèmes de température, ácido felúrico no se genera. L'acide fellurique, donc de l'allélopathie. La valvulina no se genera porque hay mucha temperatura. Il fait trop chaud pour avoir cette production de Entonces, c'est una condition naturelle de un écosystème spécifique. Donc dans les conditions argentines, eh bien, ils n'ont pas ce problème non plus. Ubicado en la pampa húmeda argentina. Dans la région de ce qu'on appelle la pampa humide de l'Argentine. Allá no hay problemas de allélopathie. Ils n'ont pas de problème d'allélopathie. Y eso es muy bueno. Donc c'est une chance pour eux. No todo está bueno. Mais tout n'est pas. Aunque el suelo muy bueno en Argentina,
Puede pasar un mes y medio de las lluvias. Mais bon, ils ont d'autres problèmes. Il est possible de ne pas avoir une goutte d'eau pendant 1 à 2 mois et donc le deuxième semis est compromis. No es como regar. C'est pas la même chose que quand on irrigue. Al menos yo manejo eso, donc moi chez moi, oh, je contrôle mon irrigation. Et je sais que j'aurai assez d'eau pour finir pour amener la culture jusqu'à la fin. Donc voilà, finalement chacun a du bon et du moins bon chez lui. Au Chili, on a des bons génétistes en sélection. Qui ont permis de, pour ce qui est de la fusariose foliaire en tout cas, ne soit pas vraiment un problème. Et là je veux féliciter les généticiens parce qu'on a des outils efficaces. Pour contrôler des maladies grâce aux résistances naturelles comme la fusariose. Ensuite, il faut considérer que le Chili, le printemps, il est très sec. Et donc, en cas de problème, l'attaque est légère et n'a pas une conséquence trop lourde au niveau financier. Et donc, ça, c'est probablement permis aussi grâce à une bonne résistance des variétés locales. Peut-être que la rouille est plus importante. La septoriose peut être plus importante. Pero en Chile realmente las condiciones climáticas juegan en forma favorable para el control de estos patógenos. Donc l'été sec là-bas permet est favorable à un bon contrôle de tous ces pathogènes. La agricultura durable. Donc, en agriculture durable, sa base, c'est la décomposition du résidu sur la surface. Où les acides organiques qui se génèrent donc lors de la décomposition des résidus, comme l'acide citrique, acide manico, succinique et autres, les acides, quoi. Exercent une action solubilisadora de calcium. Ce sont des acides qui permettent de mobiliser le calcium. Quand l'acide citrique arrive à 2% de concentration, il forme un citrate de calcium, qui est un sel. Ce sel, donc, va a dejar un calcio disponible para las plantas. Ce calcium va être disponible pour les plantes. Un calcio que ya tiene carga eléctrica positiva bivalente. Qui a une charge électrique positive, bivalente. Qui va entrar en el juego de capacidad de intercambio de bases. Et donc qui va entrer dans la capacité d'inter del CIC. Capacité d'échange cationique. Y esto va a permitir que el suelo disponga más de calcio. Et donc ça, ce sera un calcium disponible pour le sol. Entonces, si ustedes tienen un calcio recalcitrante, donc, si calcio no soluble, donc si vous êtes dans le cas d'avoir un sol avec un calcium non disponible, non soluble, vous n'avez qu'une solution. Es agricultura pura. Je traduis pas. Sucede que el rastrojo de trigo tiene una relación carbono-nitrógeno. Donc les résidus de blé a une relation carbone-azote que sobrepasa 80. Qui est supérieure à 80. Una parte de nitrógeno y 80 partes de carbono. Une unité d'azote pour 80 de carbone. Eso en agricultura durable
No es malo. Et ce ratio en agriculture durable n'est pas mauvais. Es excelente. C'est même excellent. Es muy bueno para el productor. C'est bon pour le producteur. Porque la descomposición de ese retrojo se va a hacer lentamente en superficie. Parce que ceci implique que la dégradation du résidu va être lente et va se faire en surface, très lentement. Cuando tengo maíz, la relación carbono baja a 1,50. Donc avec un maïs, par contre, les résidus ont un ratio de 1 à 50. Por consiguiente, el retrojo de maíz. Donc la conséquence, c'est que les résidus de maïs est más sensible a la degradación. Va être plus sensible à la dégradation. Cuando tengo una leguminosa, par contre, avec une légumineuse, la relación es 1 a 30. La relation descend à 1 pour 30. Una parte de nitrógeno, 30 partes de carbono. Une de nitrogène, 30 de carbone. Et ya está muy cerca de la relación carbono-nitrógeno del suelo. Et donc là, on s'approche de la relation du sol. Que es como promedio 1 a 10. Qui est de 1 à 10. Una parte de carbono, 10 partes de nitrógeno. Al revés. Una parte de nitrógeno, 10 partes de carbono. Entonces. Entienden, vous avez compris. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo estoy aplicando nitrógeno sobre el suelo para fertilizar el trigo, el maíz, lo que sea. Donc finalement, quand j'apporte de l'azote sur mon sol pour la fertilisation de mon maïs ou de mon blé, en los primeros 6 años, les premières 6 années, parte de ese nitrógeno va a ir quedando retenido en la materia orgánica del suelo. Une partie de cet azote va être fixée par la matière organique du sol. Qui va à estrechar su relación carbono-nitrógeno. Et qui va commencer à réduire le rapport azote-carbone. Entonces, durante ese periodo, donc pendant cette période, es conveniente, ce qu'il convient, agregar 10 kilos de nitrógeno como unidades de nitrógeno por tonelada de retrojo de trigo. C'est de rajouter 10 unités d'azote par tonne de résidus apportés au sol. Si queremos agregar acerrín o viruta de madera, donc si vous voulez mettre de la sciure de bois par exemple, que tiene una relación carbono-nitrógeno de 1 a 700, qui là a une relation de 1 à 700, es preferible donc, no aplicarle nada al suelo. Dans ce cas-là, il vaut mieux rien mettre au sol. Porque va a ser muy lenta la evolución. Parce que son évolution va être tellement lente. Pero sí en rastrojos de trigo, de maíz hacia arriba, de centeno, trigal, de cebada, etc. Par contre, oui, pour des résidus de céréales, d'orge ou de maïs. Pasado el periodo de 4 a 6 años. Au-delà de la période de 5 à 6 ans. Esto se empieza a normalizar. Ce phénomène se normalise. Porque los primeros rastrojos que están debajo, parce que les premiers résidus qui ont été laissés au départ, ya se han transformado en materiales únicos, ont évolué en humus. Donde ya, en la práctica, entregaron el nitrógeno que retuvieron. Et à ce stade-là, l'humus a restitué l'azote qu'il avait fixé au départ. Yo creo que es tremendamente difícil trabajar en agricultura con nitrógeno. Donc je pense qu'il pardon, est difficile. Muy difícil trabajar con nitrógeno. Donc il est très difficile de travailler pour le producteur de travailler avec l'azote. Porque el nitrógeno es un gas. Parce que finalement c'est un gaz. Y el nitrógeno en el suelo va a tender a llegar a la etapa de amoníaco, NH3. Et donc l'azote va vite se transformer en ammoniaque, NH3. Entonces hay que ser muy cuidadoso con qué tipo de nitrógeno estamos trabajando. Et donc vous devez porter une attention particulière au type d'azote que vous allez utiliser. La urea. L'urée, no es un fertilizante para las plantas. L'urée n'est pas un fertilizant pour les mientras plantes. SCO, NH2, paréntesis 2, no se degrada y no se transforma en el suelo en amonio y nitrate. Donc, tant que l'urée n'a pas été transformée en ammonium et en nitrate, ce n'est pas un fertilisant disponible pour les plantes. Esa eficiencia que el productor espera de la urea. Donc, c'est les bénéfices que vous attendez de l'urée. Es muy relativa. Est tout à fait relative.
La urea no se debe aplicar enterrada en el suelo. Donc l'urée ne doit pas être appliquée et enterrée dans le sol. Especialmente cuando se hace con la semilla, con la sembradora, surtout, la aplicación. Surtout au semis avec la graine. La urea no es nitrógeno disponible para las plantas. L'urée, donc je répète, n'est pas de l'azote disponible pour les plantes. Tiene que ser transformada por la enzima ureasa. Elle doit être d'abord transformée par les enzymes nutréases. Durante este proceso fisiológico de transformación, et donc durant tout ce processus de transformation, la urea genera dos protones, dos H. L'urée génère deux protons. Que son altamente acidificantes del suelo. Très acidifiant pour le sol. Entonces, ¿cuál es la solución? Donc, où est la solution? ¿Qué fertilizante aplico yo en mi país? Qu'est-ce que je dois mettre chez moi? Yo aplico un producto que es hecho en Holanda por Norsk Hydro. J'applique un fertilisant qui est produit en Hollande par Hydro. Y que yo espero que ustedes apliquen. Et peut-être que vous l'appliquez aussi. Ese fertilizante tiene 27% de nitrógeno. Donc 27% d'azote. 13,5% nítrico. 13% en nitrite. 13,5% amónico. Et 13% amonique. No es un fertilizante amoniacal. Ce n'est donc pas un fertilizant amoniacal. No. Es amónico. C'est amonique. Estamos entregando directamente al suelo NH4. Donc on donne directement au sol du NH4. Ammonio. L'ammonium. Que es altamente eficiente. Qui est beaucoup plus efficace. Y el otro 50% lo estamos entregando al nitrato. Et le reste c'est un nitrate. No tiene carga eléctrica negativa el nitrato. Qui n'a pas de charge électrique négative. Entonces se puede lixiviar. Et donc il peut être lixivié. Entonces hay que aplicar el nitrógeno en bajas dosis. Donc on l'applique en dose plus basse. Repetitivamente. De manière plus répétée. Dos, tres, hasta cuatro veces si es necesario. En plusieurs applications, 3 à 4 fois. Especialmente si las lluvias son intensas durante los periodos de aplicación. Surtout si vous avez des précipitations fortes pendant cette période. Estos son apreciaciones personales. Donc ça c'est des observations personnelles. Mi país tiene todos los récords de ocupación de urea. Dans mon pays, on bat tous les records d'utilisation de l'urée. Tout le monde met de l'urée, ça coûte moins cher. Mais on ne peut pas regarder que ce coût pour unité d'azote. Mais d'abord, il faut regarder l'effet que ce produit va avoir sur mon écosystème. Le nitrate d'ammonium signifie 2-3 fois moins que ce que signifie l'urée. Le nitrate d'ammonium signifie 2 ou 3 fois moins. Porque los nitratos cuando se aplican al suelo no tienen efecto en la reacción pH del suelo. Parce que les nitrates eux n'ont pas d'effet sur le pH des sols. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Donc finalement, quoi? Pensemos un poco más. No hagamos tanto caso a la caja idiota que tenemos frente a nosotros. Donc quoi, déjà prenons ne faisons pas confiance aux autres, réfléchissons. Haciendo el balance de costo de la unidad de nitrógeno. Il ne faut pas regarder que le coût. Siempre va a hablar de urea. Siempre. Et donc on entendra toujours parler d'urée. Pero no es el mejor fertilizante que podemos aplicar. Mais c'est pas le meilleur choix pour l'apport en azote. Nuevamente voy a decirles, ustedes pueden hacer todo lo que gusten. Donc ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez faire ce que vous voudrez avec votre sol. Pero tienen que ser responsables. Mais vous devez surtout être responsable de ce que vous faites. Un día en el norte de México, en Torreón, donc un jour au nord du Mexique, doy una conferencia como esta, donc j'étais en conférence comme aujourd'hui. Había dos agrónomos de un productor de leche muy grande en la zona. Et donc il y avait deux agronomes d'un producteur de lait de la région. Termina la conferencia, donc après la conférence, se me acercan estos dos agrónomos, donc ils sont venus me voir après la conférence. Hemos conversado con el jefe y quiere invitarlo a su campo. Et donc ils lui ont dit ils avaient discuté avec leur chef et ils l'ont invité sur l'exploitation. Quiere invitarlo. Yo accedí gustosamente un fin de semana. Donc j'y suis allé une fin de semaine. Ahí. Et qu'est-ce que j'ai vu? Me encontré con dos carros de ferrocarril. Donc j'ai vu deux wagons de chemin de fer. Cargados con ácido fosfórico. Plein d'acide phosphorique. Ese animal estaba aplicando ácido fosfórico a su suelo. Cet animal était en train d'appliquer de l'acide phosphorique à ses sols.
Qué vida va a existir ahí? Qu'est-ce qui peut vivre avec ça? Es realmente increíble lo que pasa. Donc on voit des choses incroyables comme ça. A mi amigo le dije, por favor, et donc j'ai dit, haciendo? Donc j'ai dit à mon ami, mais arrête. El pH de mi suelo. Son objectif était de baisser le pH de son sol. Tienes que hacer cosas más inteligentes que va ponerle ácido fosfórico a tu suelo. Essaye de trouver des solutions plus intelligentes qu'appliquer de l'acide phosphorique à ton sol. Es cierto que le va a bajar el pH. C'est sûr que tu vas baisser ton pH. No va a quedar nada vivo. Mais il va rien rester de vivant dans ton sol. Y si tenía un suelo franco arenoso. Et donc si tu avais un sol franc argileux. Va a tener un suelo desértico. Tu vas avoir un sol désertique sans vie. Tu problema no está en el ácido fosfórico. Ton problème, c'est pas l'acide phosphorique. Tu problema está en la forma de entender el suelo. Ton problème, c'est que tu comprends pas le sol. Estás regando por aspersión alfalfa. Tu irrigues de la luzerne par aspersión. Donde la alfalfa, que es la planta más ineficiente en la utilización del agua. Alors que la luzerne est la plante la plus inefficace en matière d'utilisation d'eau. Que no tenía ninguna posibilidad de tomar aguas freáticas. Et qui était incapable de puiser l'eau des nappes phréatiques. Este señor tenía pivotes de riego. Et donc il irriguait avec des pivots. El pivote andaba un metro y el suelo estaba seco. Et deux mètres derrière le pivot, le sol était sec. Porque la alfalfa había cero cobertura. Parce que la luzerne n'avait pas de couverture. Y eso significaba que el agua se perdía violentamente. Et donc l'eau était perdue immédiatement. Por evaporación. Juste par évaporation. No por transpiración. Et non transpiration. Entonces, mi amigo Diego Espada le dije, por favor. Esto está mal. Et donc j'ai dit à mon ami, arrête ça, c'est pas bien. Tu dois tout oublier et recommencer. L'homme quería morirse. Et donc il voulait mourir. Porque la alfalfa ya no producía. Parce que son luzerne ne produisait rien. Yo lo estaba presionando. Et je le pressionnais. Yo no tengo nada que perder, mis amigos. Moi j'ai rien à perdre. Yo soy honesto, tengo que decir lo que si él me invita. Il me donne l'autorité pour que je explique à lui ce qu'il a besoin. Et donc, s'il m'invite, il me donne le droit de dire ce que je pense. Et eso fue lo que hice. Et donc, j'ai fait ça. Tuve correspondencia epistolar con él durante bastante tiempo. Et donc, on a eu une correspondance par courrier pendant longtemps. No sé realmente lo que sucede hoy después de 8 o 10 años. Il s'est passé 10 ans et je ne sais pas ce qu'il a fait après. Pero entendió el problema, sí, lo entendió. Mais oui, ça je peux vous garantir qu'il a compris. La solución está, le dije, que hagas un verdeo en tu alfalfa. Perdón. Hagas un verdeo en la alfalfa. Ah, donc ce qu'il devait faire, c'était commencer par faire un couvert dans sa luzerne. Siembra avena. Mettre de l'avoine en automne. Cuando la alfalfa disminuye. Au moment où la luzerne baisse sa végétation. Récession invernal, parce qu'elle est en récession d'hiver. Y ahí vas a generar un tejido verde que te va a poner activo el suelo durante un periodo más frío. Et donc le sol avec le couvert dans la luzerne va être actif malgré tout pendant l'hiver. Y cuando la alfalfa empiece a emitir los brotes. Et quand la luzerne va recommencer à faire des repousses. Aplica Roundup. Là tu appliqueras du Roundup. Tan simple como eso. C'est aussi simple que ça. Él dependía un 100% de los ensilajes y de los materiales verdes que sacan el lote. Voilà, donc il dépendait, son alimentación était basée exclusivement sur l'ensilage d'herbe de ses parcelles. Entonces estaba contra la espada y la pared. Et donc il était vraiment coincé. Era difícil solucionar el problema. C'était pas facile de trouver la solution. Pero él entendió que tenía que ponerle un techo a su alfalfa. Mais il a compris qu'il fallait qu'il protège sa culture. Porque a la sombra había 40 grados. Parce qu'on était avec des températures de 40 degrés à l'ombre. Directo sobre la línea que está la alfalfa. Et donc le soleil sur le sol directement. 60 grados. 60 degrés peut-être sur le Entonces, sol. Realmente, vuelvo a decir, podemos hacer todo lo que queramos. Donc que ser inteligentes y pensar. Donc j'insiste. Que el suelo está vivo. On peut faire tout ce qu'on veut à condition d'être conscient de ce qu'on fait et surtout ne jamais oublier que le sol est vivant. Pensar que la alfalfa es un ser vivo. Que la luzerne est également vivante. Y que no puede resistir esos tremendos, tremendamente altas temperaturas. Et qu'elle ne résiste pas aux fortes températures. Le cuento esto, queridos amigos, porque es la verdad lo que me pasa cuando recorro este mundo. Parce que je vous raconte ça, c'est un exemple de ce qui se passe dans mes visites. Hay un gran entusiasmo. Il y a un enthousiasme réel. Pero tenemos que
no procéder en forma empírica. Mais il ne faut pas travailler de manière empirique. Tenemos que leer a de Molón, un ejemplo. Il faut lire à de Molón. Tenemos que leer a Edward Faulkner, el autor del libro La insensatez de l'agriculteur. Il faut lire Faulkner. Tenemos que leer grandes autores que son hoy día contemporáneos. Et donc un certain nombre d'autres auteurs. Tenemos una literatura mundial. Il y a une grande il y a une grande littérature qui existe sur tous ces travaux. Necesitamos apoyarnos en el conocimiento. Et donc nous devons baser notre travail sur des connaissances. Si queremos tener éxito. C'est la condition pour avoir, pour réussir. Effectivement, j'ai été très préoccupé d'observer les paramètres qui se sont présentés chaque deux ans. Donc, bien sûr, c'est la préoccupation de Carlos. Tous les deux ans, il mesure et il regarde. Con l'objet de priorizar. De manière à donner des priorités. Algunos aspectos muy importantes en el suelo. Les aspects les plus importants pour le sol. Dejar los rastrojos sobre el suelo permite que esta balanza, donc de laisser, que estaba inclinada en forma negativa, laisser les résidus sur le sol en fait permet d'inverser la balance qui autrefois était négative dans le cas de l'agriculture traditionnelle por la rápida pérdida de carbono, pour la perte rapide du calcium du carbone la balanza cuando la pongo a nivel, donc en mettant la balance en équilibre y las pérdidas y o ganancias, se equiparan, se equilibran. Dans ce cas, donc, on est avec un bilan nul. Ahí no gano nada. Là, on ne gagne rien. Pero cuando la balanza se inclina hacia el otro lado, mais par contre, quand on réussit à inverser, empiezo a ganar materia orgánica. Là, on commence à améliorer le taux de matière organique. Y esa materia orgánica se puede medir. Et ça, effectivement, on peut le mesurer. David Pimentel, un destacado spécialiste en suelo de la Universidad de California. Donc, un spécialiste de l'Université de Californie. Dice que se puede producir hasta 0,8 milímetros de suelo orgánico al año. Donc on peut produire environ 0,8% de matière organique par an. En Chequén rompimos un poco la barrera del doctor Pimentel. À Chequén on a fait un petit peu mieux que ça. Llegamos a 1 milímetro. On est à 1 mm par an. Bueno, yo creo que lo importante es evaluar qué es lo que está sucediendo con la materia orgánica del suelo. Mais ce qui est le plus important finalement c'est comprendre ce qui se passe avec cette matière organique. Y hacerse la siguiente pregunta. Et se demander la chose suivante. En mi caso personal, en donde estoy trabajando con un ecosistema específico. Donc dans mon cas personnel avec l'écosystème spécifique que j'ai. Voy a ser capaz de aumentar los títulos de materia orgánica del suelo. Est-ce que je vais être capable d'améliorer mes taux de matière organique? Con la rotación de cultivo que tengo. Avec ma rotation. Con la aplicación de fertilizantes que hago. Avec ma manière d'appliquer de nos fertilisants. ¿Cuánto voy a subir? Combien cela va me permettre de monter? En los climas cálidos. Donc sous les climats chauds, es terriblemente difícil, c'est très difficile aumentar el tenor de materia orgánica. D'augmenter donc les taux en matière organique. En los climas subtropicales, en subtropical, como creo que es este en Francia en general, en subtropical, yo creo que es posible. Es posible, porque tenemos un invierno fresco y tenemos un verano caliente. Bon, on n'est pas en région subtropicale. Pero tenemos un invierno con bajas temperaturas. Mais bon, les conditions avec des températures basses et de la pluviométrie doivent permettre, dans les conditions françaises, d'augmenter la matière organique. Este fenómeno de baja temperatura me ayuda a proteger mi materia orgánica para que se descomponga en un plazo más largo. Les basses températures en fait permettent d'avoir une dégradation de la matière organique sur une période plus longue. Si yo estoy dejando 10 toneladas de rastrojo por hectárea de cualquier residuo, donc si on, año, si on laisse 10 tonnes par hectare de n'importe quel résidu, yo puedo asegurarles a ustedes que van a subir notablemente el nivel de materia orgánica y van a poder incrementar un valor cercano a 0,6-0,8 de materia orgánica al año en milímetros. 0,6 a 0,8 milímetros. Je vous garantis qu'avec 10 tonnes de résidus par hectare, vous allez augmenter au moins de 0,6 à 0,8 mm par an votre matière organique. Pero esto queda condicionado a la agricultura durable.
mais ceci évidemment en respectant les règles de l'agriculture durable. Et donc toutes les machines que vous avez sur la ferme, qui servent à labourer, qui soient fermées sous clé. Et qu'on les oublie. Un agriculteur d'agriculture durable nécessite una buena sembradora. Vous n'avez besoin pour être un bon agriculteur. Una picadora de rastrojos. Un semoir, un broyeur. A lo mejor una enfardadora. Une machine éventuellement, éventuellement une machine pour faire des balles. A lo mejor vamos a necesitar un rastrillo y legador. Éventuellement un râteau à endainer. Las tradicionales máquinas pulverizadoras de herbicidas. Les machines, les pulvérisateurs pour les traitements fungicides, herbicides. Y la máquina fertilizadora, las aplicadoras de fertilizantes. Et la machine pour mettre les fertilisants. Menos máquinas y menos inversiones. Moins d'investissements, moins de machines. ¿Cuánto cuesta un arado de 6 puntas de vertedera automático que se va girando un arado Kuhn, por ejemplo? Combien coûte une charrue sophistiquée à 6 ou 8 points, réversible, etc. Yo no voy a hablar de los arados Kuhn, por supuesto. Alors je ne parlerai pas des charrues Kuhn, bien sûr. Estoy hablando de Kuhn porque es una empresa que, de gran prestigio en France. Je mentionne Kuhn parce que c'est une entreprise de beaucoup de prestige en France. Y ellos están produciendo sembradoras en siembra directa en Brasil. Et ils se sont mis à faire maintenant des semoirs de semis direct au Brésil. Que a mi juicio son las mejores sembradoras que están saliendo en el mercado latinoamericano. Et qui sont parmi les meilleurs également de fabriquer en Amérique du Sud. Et Carlos espère qu'elles viennent bientôt en France. Entonces, esto lo de la ganancia del suelo no es un mito. Pero el ganado, la vaca, el novillo, los animales fuera del lote. Donc ce gain en matière organique, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Par contre, j'insiste sur le fait que les animaux doivent être parqués sur leur étable. Con un cerco al medio. Avec une bonne barrière. El grano es para el hombre. El rastrojo es para el suelo, le no grain, para la vaca. Le grain est pour l'homme et les résidus sont pour le sol et non pour les vaches. El mejor forraje para el suelo no es el pasto verde. Donc le meilleur fourrage pour les animaux, ce n'est pas l'herbe verte. Es el rastrojo seco. Para el suelo. Ah, si. Les meilleurs résidus pour le sol ne sont pas les couverts végétaux verts. C'est principalement le résidu de récolte. La fertilidad del suelo se logra con los rastrojos verdes en el suelo. La fertilité, l'activité du sol est due aux couverts végétaux. Pero dije la fertilidad del suelo. Mais j'ai bien dit la fertilité. No hablé de nutrición del suelo. Pas la nutrition. Porque la base de la nutrición del suelo está en el carbono. Parce que la nutrition du sol, c'est le carbone. No está en el nitrógeno. Et ce n'est pas l'azote. Ni el hidrógeno. Ni l'hydrogène. No está en el oxígeno. Ni l'oxygène. Y todos los otros elementos químicos. Et tous les autres éléments. Porque el nitrógeno el suelo lo fabrica por su propia cuenta. Le nitrogène, l'azote, le sol peut le fabriquer. El nitrógeno es el único elemento químico. L'azote est le seul élément chimique. Que por genética no está dado en el suelo. Qui n'est pas dans le sol de manière génétique. Es el único. Pero los otros elementos químicos mais les están autres, en el suelo. Mais les autres éléments chimiques sont dans le sol. Y estos se pueden generar. Et on peut les générer. Nutrientes para el suelo y para las plantas. On peut les générer en aliments pour le sol et pour les plantes. Entonces, las leguminosas, donc, los microorganismos de vida libre, fijadores de nitrógeno, donc les légumineuses et tous les micro-organismes de fixation qui fixent les éléments dans le sol, on doit les alimenter. Y el principal alimento para estos microorganismos es el ATP. Et donc le principal aliment pour ces micro-organismes, c'est l'ATP. L'ATP es adenosine triphosphate. Que adenosine quiere decir energía. Adenosine c'est l'énergie. Energía para quién? Cette énergie. Los microorganismos que están viviendo en el suelo. L'énergie que consomment les micro-organismes dans le sol. Y el
Trifosfato. Et le triphosphate est acide phosphorique. C'est de l'acide phosphorique. Indispensable para la vida en este planeta. Indispensable à la vie sur cette planète. Entonces, si la energía me la produce la agricultura de conservación. Et donc l'agriculture de conservation fabrique l'énergie. Yo no tengo necesidad de gastar plata de energía. Je dois surtout pas dépenser d'argent. C'est mon sol qui le produit sur le site. Y los otros componentes donc, van a estar espontáneamente disponibles mientras tengamos ácidos orgánicos que se encargan de liberar. Et donc les autres éléments vont être disponibles à condition d'avoir les acides disponibles pour les libérer. De hacer solubles. De les faire solubles. Los nutrientes que normalmente qui, en una agricultura tradicional. Ces éléments qui normalement en agriculture traditionnelle sont bloqués ou fixés. Absolutamente. En la agricultura durable, estos fenómenos son mucho más reales, más positivos que en la agricultura tradicional. Donc là, oui, le fait d'inoculer les semences avant de les implanter peut avoir des effets beaucoup plus positifs que dans le cadre d'une agriculture conventionnelle. Considero muy positivo. Donc je considère très positif. Que las semillas que les semences viennent, un apoyo, viennent en appui, tanto para protección de salud de la planta, donc pour la protection de la plante, de protection sa, à la planta, la protection oui, y la planta, nutrientes adicionales a la planta, et la nutrition, la germination de la plantula, tout ce qui vient aider la plante dans sa germination, dans la nutrition quand elle est à un stade de petite plante est important. Si hay alguna dificultad seria que tiene la agricultura durable, parce que s'il y a une difficulté essentielle en agriculture durable, es justamente la germinación, la difficulté se situe surtout au départ, dans la naissance de la graine et le développement de la plantule. Porque el suelo no hemos preparado una cama de semilla como se hacía anteriormente. Parce que bon, il est bien clair que la préparation de sol n'est pas ce que vous connaissiez avant. Entonces, la emergencia normalmente es un poco errática. Donc l'émergence est peut-être un peu hétérogène. Germinan unas primero que otras. Quelques plantes germent avant. Porque se supone que en el corte que estoy haciendo con el coulter, con el cultivador frontal. Parce que donc il est évident que le sillon qui est fait. No es una máquina pulverizadora del suelo. Ce n'est pas une machine qui vous pulvérise le sol. Le cultivateur frontal. Entonces hay una desventaja. Donc on part avec un handicap. Por eso que hablo de semillas que sean inoculadas, o sea, se les agregue un performer. Donc c'est pour ça que j'essaye de recommander des semences qui viennent avec toutes leurs chances, avec une inoculation éventuellement de micro-organismes, ce qu'on développe au Chili, on appelle performer. Frédéric lo está haciendo en Chile. Yo siembro sus semillas con performer. Donc, este performer es un activador. De la germination. Donc protector contra hongos. Ce sont des traitements qu'on applique. Es mucho más importante en agricultura durable, que tiene un mayor costo, sin duda, que en agricultura tradicional. Donc en fait, on a essayé de développer des traitements de semences où on inocule en quelque sorte la graine. En igualdad de condiciones, en agricultura durable, demora 8 días, 10 días. Parce que vous savez très bien qu'en agriculture durable, on a le démarrage en végétation est plus lent. Porque es muy difícil sembrar. Parce que c'est plus difficile, la mise en terre est plus difficile. Durable, en forma uniforme en el suelo, a la misma altura, on n'a pas la même homogénéité dans le semis. Porque no nos olvidemos que los rastrojos. Parce que bon, n'oubliez pas que les résidus précédents. Sont déjà une résistance au positionnement de la graine, au disque. Donc la machine a des difficultés, saute un peu. Donc une des manières de favoriser, d'aider la germination, c'est que la machine est un disque devant frontal qui permet de mieux rentrer pour le disque suivant. Y eso facilita
el quiebre de estos tallos o raíces más sólidas. Voilà, donc ça, ça permet l'entrée, no débote en el suelo. La rentrée mécanique du disque pour qu'il n'y ait pas ces sauts. Comment il voit l'avenir de l'agriculture durable, de l'agriculture de conservation, et quelle direction il nous proposerait de continuer à suivre, ou quelle direction, lui, il compte suivre pour continuer d'améliorer son système. Que esta evolución suceda en las personas. Donc moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'il y ait une évolution d'abord des gens, des personnes. El suelo solo de por sí no va a cambiar. Parce que vous comprendrez bien que le sol tout seul ne va pas changer. Porque el suelo está sometido a la voluntad humana. Le sol est déjà soumis à la volonté humaine. Entonces la evolución o el futuro que me pide Frédéric Thomas. Donc la vision du futur que demande Frédéric. Va a depender básicamente de cuánto evolucione la persona. Va déjà dépendre de vous et de l'évolution des gens. Repito nuevamente, ser agricultor es un privilegio. No todos deberíamos ser agricultores. Et donc je pense que il faut que vous soyez conscient que tout le monde ne peut pas être agriculteur. C'est un privilège que vous avez. On n'a pas tous la capacité. Parce que des fois il faut affronter des choses difficiles, le froid, la pluie. Il faut travailler dur. Et en plus il faut observer. Donc je crois que nous les producteurs sommes quand même des gens spéciaux, peut-être ni mieux ni pire. Mais nous sommes peut-être parmi les seuls dans la race humaine aujourd'hui qui avons probablement le plus de responsabilités pour les années à venir. Parce que c'est nous qui devons alimenter les autres. No son las máquinas las que alimentan a los. Ça ne va pas être les machines. No son los animales los que alimentan. Ce ne sont pas non plus les animaux qui vont alimenter l'homme. El hombre lo hace todo. C'est l'homme qui doit faire tout ça. Bueno o malo. Bien ou mal. Lo hace todo. Il doit tout faire. El futuro tiene que estar pensado en que todos estamos interrelacionados. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le futur, dans le futur, nous sommes tous interconnectés. Si la sociedad humana está preocupada por el efecto invernadero, donc si la société humaine est préoccupée pour l'effet de serre, por ningún motivo los agricultores estamos excluidos de esa preocupación. Nous ne sommes pas exclus de cette préoccupation. Muy por el contrario. Au contraire même. Gran parte del efecto invernadero, une grande partie de l'effet de serre, y del hecho de que en 100 años hayamos levantado en 100 partes por millón el contenido de CO2 en la atmósfera. Et le fait qu'en ces 100 dernières années nous ayons augmenté de 100 parties par million. Lo que realmente hoy día está provocando un efecto invernadero grave. Ce qui aujourd'hui a pour conséquence d'avoir un effet de serre très grave. Un 10% de ese efecto al menos. Au moins 10%. Causa del mal manejo de la agricultura. Au moins 10% de cet effet de serre est dû à la mauvaise conduite culturelle. Por pérdida de materia orgánica, por oxidación de materia orgánica. Parce que nous avons oxydé la matière organique contenue dans le sol. Uso de combustible fósil. Et par l'usage excessif des essences fossiles, des énergies fossiles. Tenemos esta tablita que nos está salvando que se llama agricultura durable. Et donc nous avons une solution avec l'agriculture durable. Que todos tenemos que ir remando para el mismo sentido. Et là, il faut qu'on fasse tous l'effort ensemble dans le même sens. Y vuelvo a repetir, haciendo plenamente responsables de nuestras actitudes. Et que nous soyons responsables et conscients de notre propre attitude. Yo no tengo la bola de cristal para mirar el futuro. Par contre, je n'ai pas de boule de cristal. Lo único que me preocupa es la conducta humana. Donc ce qui m'inquiète, c'est le comportement des humains. Y lo único que me preocupa mayoritariamente hoy día. Et principalement aujourd'hui. Es la falta de responsabilidad. C'est le manque de responsabilité. De lo que está sucediendo en el mundo. De ce qui est en train de se passer. En el planeta Tierra. Sur l'ensemble de la planète.
en el suelo de este planeta. Et pour les sols. Donde no hay voluntad ni en las universidades, ni en los gobiernos, ni en los políticos. Parce que il n'y a de volonté ni chez les politiques, ni chez les universitaires. Y mientras no suceda, et tant qu'il n'y aura pas de conscience, el trabajo nuestro se va a ver minimizado. Et tant qu'il n'y aura pas de conscience, notre travail va être minimisé. Entonces, eso es muy duro, muy difícil que pueda decir que qué es lo que va a suceder en 20 años más. Donc, 20 años más, vamos a tener que duplicar la cantidad de alimentos que estamos produciendo. Donc c'est très difficile de vous dire ce qui va se passer dans 20 ans, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir doubler la production d'aliments. El mundo entero hoy exige mejor alimentación. Et en plus, le monde nous exige une alimentation meilleure. Eso pasa en el fenómeno de China y de India. C'est vrai pour la Chine, pour l'Inde. Y en los países del Pacífico. Et pour l'ensemble des pays du Pacifique. Occidental. Entonces, realmente, nosotros en conciencia, dirigido por este gran hombre que está organizando las mentes, lo está uniendo ustedes. Et donc, dans notre conscience, est soutenu par Frédéric, qui fait tout ce travail. En cada área geográfica de Francia, una reunión tan hermosa como esta. Et il faudrait qu'on ait des réunions comme ça dans tous les coins de France. Porque pienso que es la única forma que podamos conversar y entendernos. Parce que c'est le seul moyen qu'on puisse discuter ensemble et se comprendre. Solo hay ruido, envenena. Parce que l'usage du tracteur... Hein, nous tue, nous empoisonne. Que podamos crear en Francia una institución nacional. Donc je vous encourage à créer une institution nationale pour l'agriculture durable. Como existe en Argentina, Apreside. Comme il existe en Argentine, l'association Apreside. L'Asociación Argentina Productores en Siembra Directa. L'association des producteurs en production en semi-direct. En Brasil, au Brésil, la Fédération brasileña de plantio directo en la paja. L'association brésilienne de semi-direct. Sobre la paja. Ah, sur le résidu. Los brasileños le dan muchísima importancia a la paja. Les Argentins, les Brésiliens donnent une importance toute particulière au résidu. Et c'est ça leur réussite. Entonces, hagamos lo que ha hecho Estados Unidos recientemente. Donc faites ce que viennent de réaliser les États-Unis. Aquí en Francia hagamos lo que han hecho ellos. Faites la même chose. Ellos han, hoy día tienen una institución. Ils viennent de créer une nouvelle institution nationale aux États-Unis. Y yo participé arduamente. Et moi j'ai participé. Y me siento orgulloso de ellos. Et je suis fier d'avoir poussé à cette création. Porque tengo más de 30 viajes en los Estados Unidos. Parce que j'ai fait plus de 30 voyages aux États-Unis ces dernières années. Y voy el próximo mes de enero. Et je l'ai retourné en janvier. Al estado de Kansas, justamente donde nació. Dans l'état du Kansas, où est née cette la Sociedad Americana de Agricultura. Donc la Société Américaine de l'Agriculture de Conservation. No me gusta el nombre sustentable. Mais je n'aime pas trop ce terme de... Pero tampoco me disgusta. Soutenable. Oui. Así que esa es la labor que tenemos que hacer. Donc c'est notre travail. Este hombre ha dedicado la semana entera a quien les habla. Él no es agricultor, él no es ingeniero agrónomo dedicado al suelo. Él es un fitomejorador. Non, je corrige, Carlos. J'ai passé une semaine avec vous et je suis aussi agriculteur et c'est avec plaisir. Él está en otro negocio. Traduce tú, por favor, que esto no me va a querer. He is in another business, but he loves what is seen here. Il est en train de dire que Frédéric l'a pas mal aidé et qu'il a d'autres affaires à jouer en fait et qu'il a consacré quand même une semaine au-delà de son travail pour nous permettre d'apprécier Carlos parce qu'il aime ce qu'il fait et ce qu'il voit. Mis amigos, esto, les repito, es primera vez en mi vida que después de una charla hemos pasado más tiempo en preguntas que en la charla misma. Y eso dice mucho de ustedes. Bon, Carlos a remarqué de toutes les conférences qu'on a eues, là, c'est celle où les questions et les réponses ont duré finalement plus longtemps que l'intervention elle-même. Porque dice claramente que todos ustedes están involucrados en lo que estamos conversando. Parce que bon, ça veut dire que vous êtes tous vraiment très concernés par ce qu'on est en train de dire.
Gracias a Frédéric y gracias a Frédéric. Non, et je voudrais rajouter juste un petit commentaire. Ce qui est, il y a un petit côté, comment dirais-je, un peu injuste, en fait, dans le fait qu'il y a une population d'agriculteurs qui exploitent les sols dans le but d'un gain immédiat et qui finalement les épuise avec une perspective à très court terme, et puis qu'à côté de ça, un autre groupe, une autre population d'agriculteurs a une vision beaucoup plus à long terme et investissent dans leur sol, travaillent, font des recherches, essayent d'améliorer la qualité de leur sol en améliorant tous les composants, que ce soit essentiellement les matières organiques, puisque c'est le thème essentiel développé par Carlos, puisque tout ce qu'on a dit arrive à une seule chose, c'est de restructurer le sol et fixer plus de carbone dans le sol. Tout part de là, puisque le carbone étant le début d'une longue chaîne de nutrition, c'est là que l'effort doit être concentré. Donc moi j'avais soumis l'idée à Frédéric, mais comme une politique qui pourrait être constructive, serait que ces agriculteurs que vous êtes, finalement, qui faites un effort pour améliorer votre sol, mais aussi le sol de tout le monde, et puis finalement le sol de toute la planète, soyez rémunérés pour ça. Et que, au contrario, ceux qui l'exploitent et qui l'appauvrissent soient pénalisés pour ça. Donc, moi, je trouve, j'en discutais un petit peu avec Carlos, en Europe, on a quand même la chance d'avoir un gouvernement, enfin des gouvernements qui sont... On est dans des pays riches, ici. Ce n'est pas le cas au Chili, où Carlos n'a aucune aide. Donc, ce qu'on pourrait s'attendre, avec des outils comme la PAC, justement, c'est qu'on l'utilise de manière constructive et qu'on rémunère le sol, l'agriculteur, non pas pour ce qu'il produit, mais pour la richesse qu'il accumule dans son sol. En d'autres termes, utiliser la PAC pour vous encourager à avoir des pratiques qui vont dans ce sens-là et qui permettent, sur le long terme, en tout cas, d'avoir une amélioration de notre milieu. Merci Frédéric. Comme ça, t'es pas qu'un interprète, hein. On s'aperçoit que tu as beaucoup de convictions aussi à travers ça. Il faut des convictions, il y a des gens qui demandent ici, mais pourquoi on fait tout ça? Mais je pense qu'on est tous pareils ici, personne ne gagne d'argent. Carlos fait tout ce travail sans être rémunéré, je tiens quand même à le dire. Et donc, on parle tous le même langage ici. Voilà, on peut utiliser ça comme conclusion. Merci. Je voudrais qu'on remercie encore énormément pour ça, Carlos Corbetto, parce que venir ici, prendre le temps, mais vraiment prendre le temps, parce que c'est pas tout, il faut que je vous dise, ce midi m'a dit, faut quand même que je rentre assez vite chez moi, parce qu'on va attaquer la moisson des céréales, et ça commence à m'inquiéter, et dans le fond de ses yeux, je voyais l'agriculteur qui est en train de parler, donc faut intégrer que c'est pas que sa vie n'est pas que de faire des conférences, il est aussi agriculteur. Donc encore un grand merci à vous d'être venu et encore un grand merci à Carlos.